Si, j'ai une livraison à faire. Oui, c'est vrai, il y a une livraison à faire. Mais viens avec moi d'abord. Oui, on va où? On va au bureau de poste. Ça Oui. va mieux ta jambe ou pas du tout? Oui, ça... Oui. Ça va un peu mieux? Oui. Oui, ça... Pas courir, mais ça va. Ouais, bon, tu peux marcher, quoi. Oui. Par contre, j'ai retrouvé quelque chose dans la caisse, oui. Et ça, oui. Et c'était quoi? Oui. Je crois que c'est le monsieur qui m'avait fait du mal, oui. Le monsieur qui t'avait fait du mal? Oui, il y a un serpent. Où il est? Non, viens ici, ici là, t'es bête. Va Oui. voir le monsieur là. Reparle-lui. Oui, bonjour, monsieur. Normalement, il te connaît, t'as déjà essayé d'apprendre à lire avec à écrire avec, merde, à compter avec lui. Oui, j'ai pas, oui. Ben, il te reconnaît pourtant, hein, monsieur? Oui. Ah oui, ben, il te reconnaît, oui. Oui, vous lui avez appris un petit peu à compter, oui. Et c'est pas, faut que... Oui. Et Mais parce ça que le va pas. monsieur, il a tout oublié, là. Il faudrait peut-être lui redonner une deuxième couche, là, de ce que vous lui aviez appris la dernière fois, là. Je te laisse papoter avec lui, il va t'expliquer deux, trois fondements du comptage, d'accord? Oui, d'accord. Oh Dieu. Ouais, je t'ai pas compté. Hein. Oui. Mais bon. Putain. Ouais. Je vois pas intérêt d'apprendre à... Ah oui. Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu... Oui. Non, mais de toute façon, 4, ça va, j'ai compté, hein. Mais oui, après c'est compliqué. Mais... Comment ça se fait que... Je sais pas. Y a quelqu'un qui fait de la musique. C'est joli. Je voulais éviter, moi, mais c'est faux, c'est des trucs là, je crois. Pardon, monsieur. C'est bon? Il t'a expliqué un petit peu? Oui, j'ai pas tout compris, mais bon. Oui, non, mais je disais, je n'ai pas tout compris, mais oui. Oui, t'as montré 1, 2, 3, des trucs comme ça. Oui. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on aille tous les voir? Ou tu t'en fous? Oui, non, mais je sais pas, faut peut-être d'abord que j'aille faire la Ah oui, la livraison. livraison, Mais oui. viens avec moi, on va aller chercher ta charrette et puis on va y aller. C'est pas ma charrette. Oui, mais on va prendre la charrette de Monsieur Watson qui est à la boutique. Et du coup, tu travailles à la boutique, donc ça marche. Oui.
pas où il va arriver ce coin-là. Là-bas. Attention, non! Ça marche. Oui. Bon, laisse-le ici, viens avec moi, Emmett. Il faut que je rentre à l'écurie. Ah oui. Oui. Tu te reconnais le chien. Oui, c'est le chien. Oui, c'est votre chien, ça, petit fidèle. Allez, en force. Tu vas t'as pas vite tes cours sur pattes, hein. Ça te donne un style avec ça. Mais t'es pas. Si, ça te va bien. Je préfère ma bulle. Il va le poser au camp en face, là où tu l'as trouvé. Oui. T'as, tu vois, t'as dit, oui. Prends la charrette qu'il y a dedans, du coup. C'est beau. J'espère que tu vois ça, tu seras d'accord. Tu veux que je conduise ou c'est bon? Non, oui, non, je veux bien. Ah, vas-y, allez, descends. Oui. Non. Ouais, recule un peu, ouais, peut-être. Hop là. Allez. T'as pas trop froid comme ça? Ça va? Oui, ça va. T'as rangé tes habits blancs? Oui. Non, c'est pas. C'est pas. Oui, c'est gentil de m'avoir donné ça, mais ça, j'aime pas du tout. Oui, mais c'est bon, le problème, c'est que c'est toi qui les as choisis, ça, mais pas bon. Et j'ai toujours dit que c'était dégueulasse. Dans le désert, faut t'habiller en couleur du sable. Et mais bon, quand ça, t'avais choisi cette couleur, parce que. Vu. Parce que t'avais choisi cette couleur parce que tu voulais te camoufler dans la neige. Ah c'est con hein, je suis d'accord. Mais bon c'était ton idée. Pas faute de te l'avoir dit à ce moment-là. T'as pris des boîtes de conserve? Oui. Ok. Après t'es logique d'être en blanc dans du blanc. Oui, c'est une certaine logique, oui, je suis d'accord. Oui. Et parce que comme ça, on pourrait en s'allongeant dans la neige, on ne voit pas. En effet, mais bon, ça reste pas beau, on est d'accord. Et puis surtout, elle habite des salissants, quoi. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Enfin, la preuve, hier, quand t'as pris le loup sur l'épaule, bah ça t'a tout dégueulassé. Oui. Ça va sinon tes blessures? Oui, mais j'ai quand même mal à la jambe, oui. Oui, la jambe, ça. Oui. Il faut que tu forces pas trop dessus et puis ça va guérir petit à petit. Et si tu veux, on verra avec Mev, elle inspectera ta jambe si tu veux. Oui, d'accord. Ah, ben moi d'ailleurs, faut que je me fasse inspecter le bras aussi. J'aurais pas demandé de venir avec nous. Oui, d'accord. Parce que on est très bien à deux et que. Il y a un truc que tu m'as dit hier qui. Qui me fait pas mal réfléchir. Enfin bon. J'ai encore dit une bêtise? Oh non, t'as pas dit une bêtise, non. Bon,
malheureusement, tu comprendrais pas trop et je préfère pas le... Oh, quoique... Oh, quoique si, je peux te le dire, en fait. Tu sais, hier, quand Sam, il t'a demandé l'or... Oui, il a dit... Oui, c'est M. Watson, oui. Ouais, et après, il t'en a rendu moins que ce que t'avais de base. Oui, je lui ai donné... Oui, je sais pas, moi, je sais pas compté, alors je lui ai donné des plats, puis bon, t'as rendu, il m'a dit qu'il y en avait trop. Ok. Et on est d'accord qu'il t'en a rendu beaucoup moins. Oui. Il t'a pas rendu l'exacte somme. Non. Parce que moi, il y a un truc qui me chiffonne. C'est qu'hier, j'en ai parlé avec Sam. Et Sam, tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il fait, ah non, c'était juste pour voir, je lui ai tout rendu derrière. Ah bah non, parce que j'avais la oui, j'avais les bras plats, j'avais tout mis dans ta coche, oui. Et puis bon, t'as rendu, je sais pas, peut-être une main, je crois, comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il m'a menti, en fait. Et ça, c'est un petit peu problématique. Mais apparemment, c'est ce qui te... Oui, apparemment, c'est M. Watson qui lui plaît, quoi. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand je lui ai parlé, il m'a pas dit ça. Ah bon? Non. Il m'a clairement menti devant la gueule. Alors que... Oui, un cheval. Il m'a clairement menti devant moi, en prenant pour un con. Tu sais, j'ai pas apprécié ça. Parce que toi, je vois pas pourquoi tu me mentirais, Matt. Oui, dans la communauté du désert, faut pas faire ça. Il faut pas mentir, t'as bien raison. Oui. Et sauf que Sam, là, il m'a menti. Et le problème, c'est que moi, je savais la vérité avant de lui demander. C'était quoi la vérité? Problématique. Bah, la vérité, c'est qu'il t'a volé de l'or, Emmett. Et c'était ton or, en plus. Attends, t'es dans ce WhatsApp? C'était dans tes poches. Non, il m'a dit que t'étais dans la boutique, il fallait que je prête de l'étalage et que je lui donne. Ah oui, donc c'est encore pire. Il a volé dans la boutique. Oui, attends, mais... Si je les avais payés à ce WhatsApp, là... Oui, mais le truc, c'est qu'il m'a pas dit ça, Yvette. Il m'a dit, oh non, j'ai juste pris l'or, et puis après je lui ai rendu, et c'est un truc qu'on faisait avant, c'était pour voir s'il se rappelait. Donc en plus de mentir, il s'est bien foutu de ma gueule. Non, ça veut dire que moi j'ai donné de l'or qu'il ne devait pas avoir. Exactement. Non, mais ça, je vais te faire engueuler par absolument ça. Non, tu vas pas te faire engueuler parce que c'est pas ta faute. Oui. Mais non, mais après, M. Watson, il a demandé pourquoi je lui ai donné. Eh ben, on lui expliquera. Oui. Que Sam, il t'a volé de l'or. Oui. Oui, parce que moi, je me rappelle, ta coche, elle était pleine. Oui, mais je me doute, c'est ce que tu m'as dit hier, Matt. Tu m'as dit, j'en ai donné plein, et puis il m'en a rendu un petit peu en me disant qu'il y en avait trop. Oui. Le problème, c'est que je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je lui dis directement? Comme ça, je lui fais face à un truc. Ou alors, je lui dis, t'as une dernière chance de me dire la vérité. Je sais pas trop. Je réfléchis encore, Emmett. Parce que sache que je suis un peu énervé, Emmett. Un peu? Oui, un peu beaucoup, même. C'est ma faute. Ah non, c'est pas ta faute. Si, j'aurais pas dû lui donner. Ouais, non, c'est pas ta faute, Emmett. Sinon, je serais énervé contre toi. Là, je suis pas énervé contre toi, Emmett. Et je le serais pas. Alors, on va voir monsieur le tourbier. C'est celui qui tient la boutique, le magasin général. Monsieur le tourbier. Ouais, et c'est lui qui t'a fait la commande des 200 boîtes de conserve. Tu veux que je m'en occupe ou pas? Oui, toi, je sais pas. Bah non, tu vas... Tu sais quoi, on va faire un truc. Tu vas dire, oui, j'ai votre commande, et tu lui dis
Que tout va bien, tu lui donnes sa commande et il n'y a pas de problème, d'accord? Oui. Ah là, il va y avoir un problème. Non, regarde. Nickel, ça passe. Je vais me foutre là. Putain, t'es dû descendre avant. Non, tiens, regarde. Voilà, là, tu peux descendre. Oui. Allez. La tire sur la torbe. Eh oui, t'inquiète pas. Fais ça et puis après on va rentrer. J'ai encore la langue qui est un peu gonflée. Oui, bah ça va dégonfler, tu vas voir. Avec l'alcool que t'as pris. Oh là, attention, monsieur. Monsieur. Avec l'alcool que t'as pris hier, ça devrait aller. Oui, d'accord. Allez, viens, on y va. Oui. Mais ils font chier. Oui. Oh, il y a un chat. Bonjour, le chat. Eh bien. Le petit chat. On vient pour votre commande, là, les boîtes de conserve. Oui, ça va mettre. Bonsoir, madame, oui. Comment allez-vous? Il l'avait oublié aussi. Ça va et vous? Oui, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, il a été un petit convalescent mercredi. Oui, c'est pas grave. On a toute votre commande. Emmett, tu donnes. Oui. Vous reprenez toujours les trucs de Noël et de la fête et les babioles normales. Bonsoir monsieur, oui. Bonsoir Ahmed. Tout va bien? Du coup, oui, je dois vous donner ça, je crois. Oui. Oui. Ça s'est bien passé moi la moufette. Pour les babioles de Noël, on verra demain. Et ça. Et ça... Ouais, je comprends. Voilà, ah, vous voyez. Ah oui, merde, attendez. Oui. Vu que j'ai l'impression que la neige est en train de fondre, ça là. Ça devrait être mieux. Oui. Faudrait pas qu'on ait une mauvaise surprise. Ah putain, oui. Ok, bon, c'est ce problème-là. Attendez. Je vais par terre, oui. Non, eh ben, attends. Posez-les-moi par terre. Oui. Ok, bon, oui. Et vous ne les détruisez pas. Non, pas ici, logiquement. Normalement, oui. Hop, voilà. Nickel. Parfait. C'est tout bon? Ouais. Vous aviez payé avant ou pas, je vous rappelle plus. Non, faut que je paye. Okay. Par contre, alors, autant pour la ferraille de Noël, ok. Par contre, j'ai des babioles de normal aussi. Là, je pense que ça vous intéresse. Vous en avez combien? 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. Oh, bonsoir. Faites bonsoir. La soustraction avec. Ah, c'est drôle comme cadeau. Avec du coup l'argent que vous lui devez. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il peut. Attendez, je vous donne ça. Ah, ouais, d'accord. Chaussette est venue avec le sien aussi. D'accord. Dans les environs. Et du coup, si je dis pas de bêtises, on est à 2,80 plus la livraison de 90 moins 34. 60, de 56, ça vous va? Oui, t'es pas, moi t'es pas compté, monsieur. Si, vous savez compter. Mais oui, autant que vous savez pas lire, je veux bien, mais oui. Vous avez pas me dire que vous savez pas compter, vous avez compté des dizaines de fois devant moi. Allez, donnez-les. Et con. Ah, putain de tomates à la con. Oui, les tomates, oui. Ah, monsieur Pat. Ah, putain de tomates à la con. Monsieur Pat, je vous ai ramené des. Je vous ai ramené du travail. Si je voulais que je vous file l'argent, il est. Je vous ai ramené des copains. Oui, monsieur Fidel aussi, c'est les. Non, monsieur Fidel, non, c'est pas. Et puis qui s'attache chez vous? J'avais dit combien? Je suis les copains. Ça va bien? De 90 moins 34, de 60, de 50. Il a peur, c'est très mal fréquenté, hein, tu fais comme tu peux le faire. Ah oui, hop, c'est bon, j'ai reçu Emmett. Mais tu les as croisés. Il vide ma caisse de. Des babioles et c'est tout. Vous êtes passé? Je voulais juste voir avec Emmett s'il avait pu voir pour notre commande aussi. C'était. Non, mais. 20 d'argent. 20 livres d'argent. Oh là, des lingots. Non, il m'en a pas reparlé, il a déjà payé ça aussi. Ok, d'accord. Bah, dès qu'il pleut. Bah, je sais qu'il est prêt, il est plus dans son coffre.
Ok, d'accord, ok, ça marche. Donc soit on repasse, soit on se trimballe les deux comme vous. Je verrai avec Tokela, parce que c'est Tokela qui lui a passé la commande. Ah, moto, ça marche, ouais. on fait comme ça. Ouais, on fera ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais merci, en tout cas. T'avais pas une histoire de pierres précieuses aussi, non? Et ça y est, j'ai dû les acheter directement dans ce... Ah, d'accord, ok. Oui, alors... T'as la boîte... Mais non, ça a gagné pas de bonheur, ça. Les tomates aussi. Je crois que c'était la dab qu'il a eu. Mia? Oui. Donc t'as une caisse qui est... Elle est à qui? Elle est à toi? À moi, ouais. Ah non, j'ai virus. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai virus. D'accord, ok. Il a tout, c'est vrai, bête? Oui, j'ai tout. Et merci bien. J'ai des choses pour vous. Ah oui. J'ai un peu de menthe, un peu d'origan. Oh bah je prends. Et du coup, faut qu'on revienne, c'est ça? Oui, tout le monde, ils vont voir avec monsieur Tokela et puis on verra. Un truc comme ça. Ah bah d'accord. Ah bah c'est pour passer, on repasse. Oui, tu veux qu'on repasse? Je sais pas. J'ai un teint. Je vais voir. On y réfléchit. On va aller à Blackwater là déjà, puis on va voir. Mais, d'accord. Bon, messieurs, dames, on vous laisse. Peut-être qu'on repassera du coup. J'ai 3 montants et 5. Avec la commande. Faites attention sur la route. Mais ça marche. Il est en blanc. À plus tard. Non, il a changé. Il trouvait ça moche maintenant. Ah, ça y est, il a changé d'avis. Ouais, c'est ça. Ah, monsieur Fidel, vous n'avez pas reconnu. J'ai cru que c'était monsieur Abraham avec le manteau. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que oui, j'ai pu vous demander aussi pour le. Ah oh non, c'est moi je travaille pas. C'est vrai que maintenant vous êtes tenancier maintenant. C'est ça. Vous mettez plus les mains dans la bête. Ah malheureusement je dois, mais bon, j'aimerais pas pouvoir le. Ouais. Pas devoir le faire quoi. Enfin bon. Oui. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Eh. Enfin, espérons qu'avec la fonte des neiges. Enfin ah, bon. Ouais. Bon, messieurs, dames, on vous laisse, nous on a d'autres trucs à faire. Ouais. Une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Oui. Au revoir, messieurs, dames, oui. Merci de votre confiance. Oui. C'est bon? Oui, non, t'es la pâte, je serai de la pâte. Oui, je sais. C'est bon, ils ont vu que du fait, mais. Tu vois? Ils te connaissent, en fait. Pourtant, on n'avait pas de torche. Oui, mais le truc, c'est qu'ils te connaissent pas mal, Ben. Donc, c'est assez compliqué de faire croire que tu te rappelles d'eux. Mais je les connais pas, moi. Ah, ben oui, mais. Enfin. Là, non. Actuellement, tu les connais pas. Non, ça, mais je sais pas qui c'est, moi, ces gens. Arrête de gueuler. Mais... Aïe. T'as gueulé exprès, enfoiré. Non, j'ai pas gueulé. Ouais. Bah, j'essaie de parler au plus bas possible pour qu'ils entendent pas. Ce serait con que tu les vexes, Emmett. Oui. T'imagines, ils seraient tout tristes après. Non mais je les connais pas, c'est pas de ma faute. Merde. Oui. Ben je sais, mais eux ils te connaissent. C'est comme si t'étais comment dire, quelqu'un de connu, tu vois. Eux ils te connaissent, mais toi tu les connais pas. Et le problème c'est qu'avant tu les connaissais. Ben, la preuve, t'avais une livraison, c'est toi qui l'as pris cette livraison là, les boîtes de concert. Ah, c'est parce que c'est Watson, ils vont faire des livraisons peut-être. Ouais, mais là, c'est toi qui l'avais pris cette livraison. Parce que M. Watson, il a pas pu, il est pas là depuis 2-3 semaines. Ça fait 2-3 semaines qu'il est parti. Oui. Il est parti en vacances pour les fêtes. Il va sûrement revenir bientôt. Mais pourquoi ça, alors, il a attendu 2-3 semaines pour avoir ce qu'il avait besoin? Parce que Seb, il s'est foutu de ta gueule, Emmett, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et de ma gueule aussi, en même temps. Là, dans le jargon, on pourrait dire qu'il t'a baisé, Emmett. Enfin, surtout dans le sens qu'il a surtout profité que tu t'en rappelles plus de rien, Emmett. Oui. Là, il a fait quelque chose qui va à l'encontre de tous les principes moraux du désert. Il a un peu chié sur ta gueule, là, Emmett. Directement, on peut le dire comme ça. C'est une image, hein. Oui, parce que sinon, moi, je suis pas très d'accord. Bah oui, je me doute. Qui serait d'accord?
Et là, on va aller à la banque. L'argent que t'as là, tu vas la poser en banque, d'accord? Oui, mais non, faut que je ramène l'argent de WhatsApp. Eh, mais tu veux le poser où? T'as pas de camp, Emmett. Et il est pas là. Comment tu vas lui donner l'argent? Tu vas te trimballer dans le truc. Tu les poses là et... Non, mais je peux la mettre dans, le, dans la grosse boîte du camp, mais c'est à lui. Dans son coffre à lui? Oui. Ok, bah, tu vois, on va faire ça. Mais d'abord, j'ai un truc à te donner. Parce que moi, tu vois, contrairement à Sam, je suis pas un enfoiré. Tu m'as donné 50 dollars avant de perdre la tête. Et je vais te les rendre, ces 50 dollars. À mon avis, ça doit être l'argent de M. Watson. Non, non, non. C'est toi qui me l'as donné, Emmett. Et Monsieur Watson m'aurait jamais donné 50 dollars. Yeah. Viens de voir qu'avec moi. Oui. Ah, mais là, putain, en plus, il manque un dollar. Moi, je te les donnerai. Eh oui, il y a 49. Ils sont en manquant le dollar qui reste. Donc là, je vais te donner de l'argent, tu vas le reposer, d'accord? Il faut que je vous donne... Faut... il faut que je vous donne des sous pour hier, oui. Pourquoi pour hier? Le médecin. Non, mais on a payé, c'est bon. Oui, justement. Oui, non, mais t'inquiète. Tu peux le poser en banque, là, que je viens de te donner. Oui. Tout, hein, tu donnes tout. Enfin, oui, donne tout. D'accord, t'es donné. C'est bon, t'as tout posé? Oui. J'ai gardé les sous de M. Watson pour la, ce qu'on t'a donné au concert. Oui. Oui, tu l'as mis de côté? Oui. Ok, parfait. Tu les as bien posés en banque, hein? Oui, mais il faut que je les rende à M. Watson. Oui, non, mais pas ça. Ce que je t'ai donné, moi. Mais non, mais oui. T'es sûr? Oui. Parce que moi, ça peut être facile de trouver quelqu'un et qui te fouille les poches, les bêtes. Oui, ça fait beaucoup? Oui, ça fait beaucoup, oui. C'était la grosse liasse que je t'ai filée. Oui. T'as tout posé? Oui. Oui. Promis, les bêtes. Oui. Promis juré? Oui. Dis-le. Oui, promis. Et l'autre? Oui. Promis? Oui, promis. Et l'autre, promis juré? Et l'autre, promis juré? Non, tu dis promis juré. Promis juré. Voilà. J'espère oui. Que tu mens pas, tu fais pas une Sam. Attends. T'en vas s'arrêter, faut que je boive et faut que je pisse. Oh putain, oui, dis-moi que c'est Maxwell. Parfait. Maxwell? Et bonsoir. Et bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, messieurs dames. Vous allez bien? Bonsoir, fidèle. J'ai une petite question, monsieur Maxwell. Oui. Est-ce que vous pourriez fouiller Emmett, s'il vous plaît? Non, mais ça va pas, non? Si. Oui. Pour savoir s'il a bien posé l'argent que je lui ai donné, cet enfoiré, là. C'est le shérif d'Armadillo qui me demande, là? Ah, le shérif, oui. Non, mais tu descends, Emmett? Oui. Non, mais... Oui. Je lui ai donné 49 dollars. Il doit ah oui 2 dollars sur lui. Monsieur Emmett, ça vous dérange? Un petit peu, oui, quand même. Ouais, mais faites donc. Ouais, vous êtes sûr? Ah, quand même... Ouais, faites donc. Monsieur Emmett, vous m'en voudrez pas? J'ai pas, non. Ouais, bah c'est Monsieur Fidel, c'est le shérif qui me demande. Attends, oui, c'est ma faute si ça te fait chier. Ouais, alors par contre... Bah, qu'il descende de charrette. Ah, bah, il est descendu. Oui, alors, oui. Ah oui. Ah oui, non. Il va redescendre. Pour ton tante, on est là. D'abord? Ah non, moi je le vois sur la charrette là. Moi t'es il faut qu'il descende en tenant les rênes. Ah d'accord. Ah, attends, vas-y, mets le ventre et tu redescends. Non, je vous expliquerai la situation, mais. J'ai pas envie qu'il me la foute à l'envers. Alors. Vous avez croisé la petite? Pas du tout. On vient de Strawberry, là, on a vu. Mia. Ouais, du coup, il est combien sur lui, là? 2 dollars et quelques. Ouais, c'est bon. Oui. C'est sûr, ça? Ah oui. Ok, bon, c'est parfait. Merci à vous, c'est tout ce que je voulais. Je suis maître, quelqu'un de confiance. Hein. Oui, mais bon, on sait jamais. Parce qu'en ce moment, disons qu'il y a certains problèmes avec Emmett, mais enfin bon. Ah d'accord. Préfère pas m'étaler sur le sujet. C'est quoi les problèmes avec Emmett?
Non, mais disons qu'il met des petites pertes de mémoire. Ah d'accord. Donc je voulais m'assurer que là il avait bien pas oublié de les poser, vous voyez. Bon après sinon vous me les confiez, hein. Moi je peux vous les garder. Hein. Bah vous inquiétez pas, c'est dans la banque de Blackwater. Ah bon, donc la pression de l'État, y'a pas de soucis alors. Espérons qu'elle se fasse pas braquer quoi. Oh. Ah désolé, fallait que je la fasse. Ah oui. Pour la mémoire, c'est bon pour la mémoire ça. Oui, merci madame. Mais c'est possible. Pardon monsieur. Vous pouvez m'appeler Théodore, hein. Ouais, alors le problème c'est que je suis pas sûr qu'il se rappelle de vous. Ah bon? À ce point là? Oui oui, on en est là. Oh, mais que qui on est, Emmett? Non, bah, non, oui. Oh merde, le monsieur avec son étoile, oui, Théodore t'a dit un truc. Ah, c'est déjà ça. Ah bah ça me fait plaisir ça. Oui. Oui, parce que je crois qu'il travaille avec Fred. Oui. Oui. Et d'ailleurs, je dois de l'argent à Fred Fouche du Rode, oui. Ah oui, oui, je t'ai dit, Fred, il s'est barré, donc ça c'est autre chose. Il s'est barré, comme ça il s'est barré. Il y a beaucoup de choses que vous savez pas, messieurs, dames. Oui. On peut en parler un peu de ça? Vous me laissez beaucoup aller boire un petit peu? Je te réponds dès que j'ai un petit peu de temps. Ah bah écoutez, merci à vous. Et moi, Emmett, tu te souviens pas? Non. C'est jeudi, c'est de la boutique du tailleur. Je vais même faire un coup à boire au salon. Bah, allez, je vais ranger la charrette, mais on va se mettre trop chaud, salut. Oui, parce que j'ai froid. D'ailleurs, venez, on va se mettre trop chaud. J'ai mal. Ah, j'ai mal à ma jambe. Oui. Ça va? Oui, non, c'est juste que j'ai mal à ma jambe. Oui. D'accord, je te dis juste, je t'aime. Hop là, vas-y, ici, toi. Oui. Y'a pas madame Bellebouche? Ah, vous vous rappelez madame Bellebouche? Non, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vue, madame Bellebouche, hein, même quelques semaines là maintenant. Mais quelqu'un qui est passé pour mettre. Y'a du saumon et de l'alcool. Voilà. Ah, c'est très bien ça. Voilà, vos épices. J'ai pas trouvé si c'est peut-être madame Bellebouche qui est passée, mais je l'ai pas croisée. Mais oui, disons que. Emmett, on est quel mois là? Oui. Je sais plus du près. Coup. Non mais pour toi dans ta tête. Bah oui, ça c'est facile au défaut août, oui. Et voilà. Ah. Oui. Donc allez lui raconter tout ce qui s'est passé depuis. Oui, fin août, oui. Mais je sais pourquoi tu te rappelles pas de moi du coup. Ah non, c'était pas pour toi ça. Ah c'est oui, je suppose oui. Tu peux les donner à Emmett? Oui, bien sûr. Ah, ça va te faire dégonfler un peu ta langue, Emmett. Merci beaucoup, Maxwell. Oui. Je t'en prie. Mais ouais, disons qu'il a reçu un gros coup sur la tête et malheureusement, c'est compliqué quoi. J'avoue qu'on essaie de le cacher, mais bon, c'est trop visible. J'ai pas vu ce que vous m'avez donné. Oui. C'est du brandy normalement. Je crois exactement, mais il a pris un coup sur la tête quoi. Je vous passe les détails. Oula. Oh. Okay. C'est bon, mais de toute façon, il est un peu fort quand même. Hein. Oui. Mais oui, donc on essaie petit à petit de lui faire recouvrir un peu la mémoire, mais bon. C'est compliqué quoi. Parce que là pour lui, il y a toujours Isaiah, etc. etc. Ah oui. Ah oui. Oui, on adore de beaux draps, ouais. Et le problème, c'est qu'il se rappelle pas qu'il tient la boutique de Monsieur Watson quoi. Mais non, c'est la boutique de Monsieur Watson. Oui, je sais, c'est la boutique de Monsieur Watson. Ah non, c'est ta boutique maintenant. Non, faut pas recommencer avec ça, c'est pas drôle là. Oui, non, l'énervez pas. D'accord, oui. Pardon. C'est pas grave, tu travailles avec lui en tout cas. Oui, oui. Tu sais compter les billets encore? Non, je t'ai pas compté moi, monsieur. Ah ouais, bah on m'appelle pas monsieur Emmett. Théodore, c'est bien. Oui, d'accord. Et oui, on va essayer petit à petit quoi. Oh bah merde. Vous avez essayé vous êtes allé voir un doc ou un truc pour lui donner des postures spéciales, un truc au ginseng ou je sais pas. Alors, on a essayé beaucoup de choses. Hier, on lui a amené à plein d'endroits qu'il connaissait, qu'il aimait bien. On lui a montré des objets qui lui plaisaient. On lui a lu des télégrammes aussi. On a fait beaucoup de choses. On a essayé de lui bourrer la gueule aussi, voir si ça faisait un petit déclic. Mais non, rien. Mais j'avoue que voir un docteur, il y a Maëv. En fait, donc du coup, elle s'occupe un petit peu de lui, mais bon. Elle essaie de lui faire bouffer des plantes, mais pour l'instant,
Oui, moi ouais, je me rappelle, j'ai récupéré le pistolet de quelqu'un qui m'a ouais, fait du mal. Oui, oui, mais alors, range ça. Oui, oui, oui. Non. Oui, c'est parce que. Oui, il m'avait assommé et. Il y a des gens, ils m'ont donné son revolver. Oui. Oh putain, ça date ça. D'accord. Je sais pas de quoi tu parles, oui. Mais d'accord. Oh, ça date d'une fusillade entre les Marilyns et les Pipers. Oui, les Marilyns, les vrais Marilyns ou... Oui, les vrais Marilyns de l'époque. Ah oui, d'accord. Avec les aigles. Ah oui, donc, d'accord. Oui, donc ça date. Enfin, je crois. Brian, Monroe, tout ça, quoi. Oui. Bon, en tout cas, Emmett, bon, tu te souviens peut-être pas tout, mais si t'as besoin, hésite pas, tu viens me voir si t'es à Blackwater. C'est ça, n'hésite surtout pas. Mais d'accord. On est là pour toi, s'il y a besoin, d'accord? Oui. Si tu veux des bonbons. Oui, d'accord. Oui, j'aime bien. Oui, mais oui. Non, mais sinon, oui, faut juste que je vois M. Fred pour lui rendre de l'argent. Oui, on verra ça plus tard, Emmett. Oui. Oui, du coup, M. Fred n'est plus. Est parti, il a envoyé des télégrammes à Daisy pour dire qu'il se barrait. Ah. Donc voilà. Plus de nouvelles de Fred et il est parti sans dire au revoir au désert et à vous, je suppose, du coup. Enfin, okay. Enfin voilà. C'est pour ça qu'elle était avec Vince, peut-être Daisy, du coup. Là, elle est avec Vince. J'ai vu avec Vince ce soir, ouais, elle était ici. Ils sont passés à Blackwater et après ils sont allés à Armadillo. Ah oui, ils sont à Armadillo là? Putain, Mais ça fait très longtemps, ça fait quasiment une heure et demie qu'ils sont partis. Oh putain, il faudrait qu'on la recroise. Ça pourrait peut-être réveiller des souvenirs à Emmett. Bah, si vous la croisez, vous lui direz, elle m'a piqué mon foulard. Ça marche, je dirais. Pas de problème. Merci. Bah allez, on y va, Emmett. Oui, d'accord. Merci à vous, monsieur Dame. Parce que bon, il y a des choses que je comprends pas bien, mais... Oui, on en discutera un peu plus tard. La priorité, Emmett, prenez soin de lui. Oui, ça marche. Allez, on y va, Emmett. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu passes, d'accord? Tu demandes Maxwell ou Jody. Oui, d'accord. Oui. Allez, bonne soirée, monsieur. Au revoir, monsieur Dame, oui, oui. Bonne soirée. Attendez, monsieur Fidel, j'ai mal à ma chambre, moi. Oui, pardon. Oui. Allez. Elle est où, j'ai... Ah oui, elle est là. À gauche. Oui. Je sais pas si tu peux monter. Si, mais faut attendre que monsieur y passe. Oui. Attends, j'ai peut-être reculé un peu. Oui, je pense parce que... Oui. Oula. Tout va bien. Oui. On est bon. Allez, on est parti. Oui. Alors, ça, c'est d'autres personnes qui t'aiment bien, Emmett. Eh ben, oui, le monsieur, il dit quelque chose. Oui, je crois que j'ai vu. Oui, c'est Maxwell. Lui. C'est un adjoint du shérif. Enfin, il est adjoint du shérif ici à Blackwater. Par contre, on va s'arrêter 30 secondes, faut que j'aille pisser, j'ai pas pissé. Oui, d'accord. On va s'arrêter en haut là. Ah ben, ça tombe bien, je vais pouvoir m'arrêter manger à la soupe. Oui. Tu veux quelque chose à manger? Moi, j'ai rien, j'avoue, en fait. On va s'arrêter à la soupe. Oui. Mais celle-là, ça va parce que les autres, les gamins, ils pissent dedans. Oui. Ouais, là, c'est bon. Là, au bois, au dépôt. Oui. Donc, rebonsoir. Je ne sais pas si on va pas être interrompu, donc j'ai envie de te dire que le plus simple, c'est que effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été streamé. Les problèmes qu'il a eu. J'ai fait un résumé dans le stream d'hier soir, en tout début, donc si tu regardes le stream d'hier soir, tu auras un petit résumé. Mais en gros, pour faire simple, en ultra condensé, il a été grièvement blessé, il a été plusieurs jours à pas se réveiller. Ah, on peut manger qu'une seule fois maintenant. Ah, je savais même pas depuis 30 ans que j'ai pas bouffé là-dedans. Merde. Il devait rester dans cet état comateux encore quelques temps. Et en fait il s'est, parce que le RP on choisit jamais, il était allongé à son camp, il y avait donc Fiddle qui était là, et Emmett ne répondait bien sûr pas, et on s'est fait attaquer par des loups, parce que bon, j'en ai jamais vu en 4 mois et demi à mon camp des loups, mais là ils avaient décidé de venir.
Et par conséquent, j'ai décidé que la douleur de la des morsures le elle l'a réveillé quoi. Oui. Mais le problème, c'est que pour lui, on est fin août. Donc il y a très longtemps. C'est bon, t'as pu manger ? Oui, non, mais il n'y avait plus qu'une seule douche. Oui, dans le fond de la gamelle. Ah, t'as mangé un petit peu, ça va. T'as oui. À manger sur toi ? Je sais pas. Bah, regarde. Oui, j'ai un poulet. Oui. Ok, très bien. Mais t'as un gros poulet. Oui, c'est une dinde. Oui. C'est ce que je t'ai donné hier, je crois. Oui, d'accord. Ah, faut, j'ai une caisse, je sais pas pourquoi j'ai une caisse, je devrais pas l'avoir sur moi. Tu es quoi dedans? C'est la caisse que j'avais hier avec le télégramme dedans. Ah putain, tu l'as pas reposé? Non. Bah, il faudrait que tu la reposes. Oui. Il faudrait qu'on t'arrête que je la repose. De toute façon, on va se poser, comme ça t'as de l'argent à poser aussi dedans, dans le coffre. Oui. Mais garde-toi 50 cents. Oui, parce que... pour la livraison, Monsieur Watson, il te paye, donc du coup, garde-toi 50 cents pour le paiement. Oui. Oui, mais faut que je vous donne. Oui. Vous pourrez continuer pour moi. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais tu me donnes, je te prends les 50 cents et je te les refile après. Oui, d'accord. Vous faites ça. Et puis après, faut qu'on tourne à la strawberry. On va voir d'abord Armadillo, puis après, voir s'il y a la commande. Et je crois qu'il y avait la commande dans le corps, puis il y avait les 20 lingots de côté, donc. Oui, d'accord. Et puis on peut faire les retours, c'est comme tu veux. Comme tu sors. Oui, pour toi. Oula. Tu te sens bien, Silence? Hein? Ça va? Tout va bien? C'est compliqué quand même. Ouais, je me doute. Tu vois, j'ai essayé de faire mon possible pour t'aider. Oui. Et désolé de t'avoir fait fouiller par Monsieur Bactuel. Hein. Oui. Mais bon, je voulais être sûr. Non, mais de ce que j'ai compris, j'ai fait trop de bêtises, alors bon. Oui. Et je m'en rappelle pas. Oui, t'as fait une bêtise, mais bon, c'est des choses que, comme quoi on passe l'éponge, d'accord? Oui. Ça, on en parle plus. On repart sur de nouvelles bases. Oui, d'accord. Bah, comme toi actuellement, là. On repart à zéro. Enfin, pas vraiment à zéro, mais tu m'as compris. Oui. Bon, moi, c'est bien parce que c'est fait payer de l'alcool gratos. Par contre... Oui. Quoi? Non, mais... En fait, j'arrive pas à... J'ai beaucoup pleuré hier. Oui, je me doute. J'arrive pas à faire à l'idée que les joueurs sont plus là. Eh, mais moi non plus, tu sais. Et j'aimerais bien que ce soit pas le cas, Emmett. Mais malheureusement, on peut rien y faire. Après, les Wakashats, c'était des bandits, c'est pas grave. Bon, il en reste. Hein. Ils sont beaucoup encore. 4. Il y a Sam, Maeve, Charles et Clé. Ah oui, d'accord. Et le truc, c'est que Sam, il dit qu'il est pas Wakashan, mais je le compte quand même dans les Wakashan. Qui ça? Sam. Oui. Parce qu'il y a pas longtemps, il a dit qu'il était plus Wakashan. Mais bon, mon cul. Cette étape, il a plus la boucle là. Oui, bon, c'est pas la boucle qui veut tout dire. Oui. Et oui. Ah merde, oui. Oui, oui, il faut que t'ailles poser la boîte. Eh, j'ai oublié. Peut-être ça va.
Je prenais le chemin d'habitude. Pas l'habitude d'aller à ton camp. Pas au camp de Watson. Oui. J'espère qu'il y a de la place dans le coffre. Ouais, et t'as l'autre boîte aussi à poser avec les télégrammes. Oui, oui, ça je fais les boîtes. Je t'attends là. Attends. Je vais te mettre la boîte. Donne-moi l'argent aussi. Oui. Voilà. Tiens, je te rends. Voilà. Oui, ça, mais... tu peux poser dans le coffre. Oui, d'accord. Oui, oui, j'ai tout plutôt la grosse boîte là, oui. Et ça, c'est pour toi. Mais d'accord. Nickel. Mais ça, si t'as envie, tu peux même t'acheter à manger. Oui, je pourrais m'acheter à manger et puis acheter des pioches. Bah non, t'en as 5 des pioches, c'est beaucoup, hein. T'as une main de pioche. Oui, non, mais pour après. Ah oui, oui, bah plus tard, oui. Oui. Après, l'argent que je t'ai mis en banque à Blackwater, c'est à toi, hein. Non, bah non, t'as plus de water. Oui, mais de toute façon, faut que je mette l'argent à Armadillo. La banque, elle est plus à Armadillo, ils ont fermé. Mais bon, d'argent, pte fidèle, c'est quoi ces conneries? Non, tu les as déjà récupérés, t'inquiète pas. Ils sont où? Dans le coffre avec Monsieur Watson. Enfin, non, dans ton coffre de banque, pardon, à Blackwater. Putain, le renard, il est con. Ah, oui, d'accord. Oui, mais après, ouais, je vais mélanger l'argent qu'on m'a fait donner pour lui et puis pour... Oh. Ah non, non, l'argent qu'il y a dans le coffre de Blackwater, c'est pour toi. L'argent qu'il y a dans le coffre du camp de Watson, c'est pour lui. C'est différent. Oh, d'accord. Attends, on va se mettre en arrière comme ça. Du coup, faut que je prenne quoi, tous les trucs d'argent? Je vais te donner ce que t'as besoin. Oui. Voilà. Là, t'es un beau cheval, toi. Donc, tu vas travailler les babioles qui t'ont filé, là. Tu vas les faire en ferraille, d'accord? Oui, oui, faire la ferraille, ça, je sais faire, ça va. Ouais, tu fais la ferraille et tu la mets dans le coffre. Oui. Ça va. Oui, ça, tu sais faire. Elle a dit combien tout à l'heure, la dame? 20. Oui. Mais ça fait combien de mains? Ça fait 4 mains. Mais ça fait combien, 4? Ça fait 4 doigts. C'est 4 doigts fois 4 mains. Non, attends. Oui, c'est ça. Quatre, c'est après 5? Non, c'est avant 5, 4. Tu sais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, d'accord, oui, j'avais oublié. Oui. Oui. D'accord. Et donc, je repose toute la ferraille dedans, oui. Oui, tout ce que t'as fait, tu reposes dedans. Oui, voilà, t'es bon. T'es bon? Oui. Alors, je vais prendre les lingots. Attends, non, je vais pas les prendre. Tu vas les prendre. Il y a un petit paquet de lingots d'argent. Tu les prends? Oui, oui, ça va, oui. Je prends tout. Tout le paquet d'argent. Oui. D'accord. Les lingots, hein, pas les cailloux. Oui, les lingots, oui. T'es bon? Allez. Oui. Ok, t'as besoin d'acheter à manger? Non, j'ai la dade. Non, d'acheter à manger. Oui, j'ai la dade. Ah, t'as la dinde, c'est bon, ça te suffira? Oui, bon, oui. D'accord. Attends, parce que moi je suis pas sûr que j'ai ce qu'il faut.
Non, je reviens. Je vais chercher à manger et puis j'arrive. Oui. Le bête au chaud. Eh hey, papy. Il y a l'autre con de Roby qui est repassé là. Je ne sais pas qui est Roby, mais. Je l'ai dégagé gentiment. Ah, tant pis pour Simon et Mojo. On ne les aura pas croisés. Pour le dernier jour de la neige, je pense que ça les aurait intéressés, mais bon. Tant pis pour eux. Donc oui, du coup, l'amnésie n'était pas spécialement prévue, je pensais pas tourner ça tout à fait comme ça. Du coup, j'ai pas encore trouvé le déclic. Je me suis pas encore décidé sur quel déclic il allait avoir pour retrouver la mémoire. Je sais pas d'ailleurs si je vais le faire ou si je vais laisser comme ça, qu'il réapprenne les informations, tout simplement. Je sais pas encore. Faudrait que je me renseigne un petit peu sur comment ça se passe dans la vraie vie, accessoirement. Parce que je suis parti un peu à l'aventure sans connaître le truc et j'ai pas envie de faire des trucs qui soient un peu ubuesques. Même s'il faut quand même que ça s'accorde à un jeu vidéo, il faut pas non plus que ce soit... voilà. Ça reste quand même une histoire... une gentille histoire, quoi. C'est... Donc à voir. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Ils repartent. J'ai plus comme elle a dit la dame qu'elle t'appelait. C'est beau, Emmett ? Oui, bah oui, oui. T'as pris les lingots, c'est beau ? Oui, t'es beau, oui. Oui, tout bon, allez, on y va. Oui. On va faire le retour tranquillement. Et du coup, voilà, faut bien que tu fasses la distinction entre le coffre de Monsieur Watson et le coffre dans ta banque. Hein. Ce qu'il y a dans ta banque, c'est à toi. Ce qu'il y a dans le coffre de Monsieur Watson, c'est à lui. Mais d'accord. Et je te rendrai un dollar d'ailleurs, parce que je t'ai donné 49, mais c'est pas assez. Parce qu'en fait, il y a un dollar qui est dans mon camp. Qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, tu vas en profiter sur la route pour faire quelque chose d'intelligent et bête. Oui, quoi ça? On va essayer de compter. Oui. Alors, essaie de compter jusqu'à 10. Non, mais je sais pas compter jusque-là, oui. Tu sais pas compter deux mains? Non, une main, oui. Oui. Et, alors, fais une main, alors. Oui, 1, 2... 3, 5, 4. Oui. Alors, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, 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 d'accord. Allez, répète 2. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, voilà. Oui. Et s'il faut que, si t'arrives pas à te le rentrer dans la tête, tu te fais une petite chanson, les mecs. Oui. Allez, répète-le, répète-le. Ah, oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Encore. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, chante avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, on va faire la deuxième main. D'accord, tu répètes après moi. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Ah, ça fait combien? Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. 10. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Tu dis 10, hein, pas 6. Oui, 10. 10, voilà. Oui. Essaye de les faire sans que je te les dise avant. Oui. Oui, t'as fait 10, 8,
7, 8, 10, 8, 8. Alors, non. On va l'inclure dans la chanson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, essaye un peu. Oui, mais c'est compliqué. Je sais, mais il faut que tu travailles, hein. Il faut faire marcher ton cerveau un petit peu. Oui, non, mais ça va, tu es pas bête, hein. Ben, je sais, je suis pas dit ça, je suis pas à côté, ça va. Ben, ce sera utile, tu vois, Ebet. Oui. Ben, je t'écoute. 1, 2, 3, 4, 5. Et la suite ? Oui, 10. 10 à la fin. 10 à la fin, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et au milieu, il y a 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6. Oui. 6, 7, 8, 9. Et 6, 7, 8, 9, oui. 6, 7, 8, 9. Redis-le plein de fois. 6, 7, 8, 9. Encore. 6, 7, 8, 9. Encore. 6, 7, 8, 9. Encore. Oui. 6, 7, 8, 9. Et le dernier ? À la fin ? Tac. Eh non, non. À la fin, t'as dit 10. 10, c'est la fin. Oui. Oui, ça dépend de la fin de quelle main ? À la fin de la deuxième main. Ah oui, d'accord. C'est quoi ? 10. Et du coup, la deuxième main, tous les doigts, ça fait quoi ? Ça fait deux bas. Non mais compte. Compte quoi? Prends tes mains devant les yeux, devant ton oui, visage. Oui, t'as fait, tes mains. Oui, t'as fait 1, 2, oui. Oui, ça fait deux mains, c'est bien. Et maintenant tu vas compter tes doigts. Mets bien tes mains devant toi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, et ensuite la deuxième main. 6, 7. Non, c'est pas ça. Si, 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 c'est ça. Et fais-toi confiance. 6, 7. 7. Oui, il y a un truc et après. Oui, après c'est 9 et 10. Ouais, il y a 8. 8, c'est deux ronds collés. Ah, faudra que tu côtes les montres aussi à l'écrit. Je pense qu'il faudrait que peut-être que j'aille voir les gens qui savent, peut-être, non. Après, ça sert pas trop de compter, moi, ça va. Si, si, tu vas voir, c'est très utile, Eben. Tu vas voir, tu verras que c'est très pratique. Même quand t'as besoin d'acheter à manger, quand t'as besoin de ramener 20 bouteilles, par exemple. Tu vois, ce sera pratique pour des petits trucs comme ça, d'accord? Mais je sais pas, moi je donne mes sous à Ricardo et puis il prend l'aide, oui. Oui, mais bon, c'est pas bête. En plus, le truc, c'est que c'est Monsieur Watson qui m'a dit que ce serait bien que tu apprenais au moins à compter. Parce qu'il m'a dit, lire et écrire, c'est pas grave, il m'a dit. Mais il a dit, compter, c'est super important dans le boulot. Oh. Ah, c'est Monsieur Watson qui l'a dit, hein? Oui. Et ouais, j'essaie de t'aider, hein. Mais on ira voir le monsieur à Strawberry. Mais d'accord. Tu discuteras un petit peu avec lui, et puis moi j'irai donner les bouteilles. Oui. Ça me fait d'une pierre deux coups. Je savais pas que vous aviez une commande aussi. Mais là, c'est la commande qu'on fait ensemble. J'ai dit quoi? Mais des bouteilles. Ah ouais, putain, non, je suis con. T'es lingot. Je suis un peu matrixé par mon boulot, Ebet. Ah bon ? Et maintenant, je tiens le saloon, donc bon. Félicitations, monsieur. Oui. Je sais, tu me l'as dit hier. Oui. Oui. Mais merci, Ebet. Ah bah, c'est normal. Hein. Ah bah, oui, je me doute. Donc le Doc Abraham aussi, il y a eu une perte de mémoire, je savais même pas, tu vois. On va aller devant, là-bas. Du coup, ça me revient par flash et grâce à toutes les notes qu'il prenait, en tant que Doc, d'accord. Alors le problème, c'est que Emmett ne sait pas écrire, ni lire ni écrire, ni ça, pour le coup, il a jamais su. Donc les notes, bah,
Hop, y'en a pas. Ah, vous serez sous ça. Tu vois, c'est le monsieur qui est en face de nous là. Ah, mais d'accord, ben oui. Oui, je peux aller le voir alors. Mais attends, voilà. Donne-moi les lingots. Oui. Donne-moi les ton petit tas de lingots là. Oui, d'accord. Merde, oh. Oui, voilà. Merci à toi. Oui. Bah, tu vas le voir, j'arrive. Oui. Et bonsoir, Dieu. Oui. Oui, donc du coup, pas de notes, pas possible d'avoir pris des notes. Donc, bon, on va le faire repasser aux érudits, entre guillemets, pour lui refaire apprendre à compter. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, donc pour les flashs, je pensais, soit il faudrait un traumatisme, mais bon, est-ce que ça marche vraiment dans la vie réelle, je ne sais pas. Des flashbacks, des trucs vraiment... Là, du coup, il est content, il a retrouvé son revolver. Le revolver, c'est celui qu'il avait quand on l'avait assommé, donc il y a très longtemps, au mois d'août. Donc ça, il est content. Et sinon... Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. J'avoue que je sais pas. Peut-être voilà, des choses toutes bêtes, genre aller rechasser l'alligator avec Fiddle, tout ça, les trucs qui vont lui redonner peut-être un petit peu la puce à l'oreille, quoi. C'est dommage, du coup, quand t'achètes un cheval, t'as plus ta mule. Donc du coup, il est triste parce qu'il a plus sa mulane, quoi. Mais J'aurais pu rebondir là-dessus, mais du coup il est encore plus perdu. Et j'avoue que je me suis peut-être entraîné dans un truc que je ne maîtrise pas du tout et qui est pas très simple, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça entraîne pour plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il fout? Parti loin là. On va attendre un peu parce qu'apprendre à compter c'est long. Et donc en gros voilà, mais c'est vrai que c'est le seul soir où il s'est passé des trucs assez dingues, c'est le seul soir où j'ai pas streamé. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû streamer parce que ça m'aurait fait un souvenir, mais aussi parce que c'était très très dur. Je me suis fait un peu bouffer par le perso, ce qui est bien parce que du coup ça l'a rendu humain. Mais du coup, quand t'es tout seul derrière ton écran, t'es là, dur quoi. Quand tu commences à devoir pleurer et tout ça, c'est pas joyeux, quoi. Il y a mieux, quoi. Mais au moins, ça rend le truc crédible, quoi. Acteur studio. Après, si vous avez des questions sur Emmet, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment pendant qu'il y a un petit blanc, là. Qui réapprend un peu à compter. De toute façon, il apprendra pas à lire. La première fois, les érudits lui a dit qu'il était un petit peu trop bête pour apprendre à lire. D'ailleurs, il s'était fâché avec un, parce que Met, il est pas bête. Hein. Et normalement, il a une très grande faculté avec les chiffres. Très grande facilité. Donc, est-ce que ça reviendra, ça? Ça sera une autre histoire. D'ailleurs, il va falloir que je lui fasse réapprendre. Alors, la seule chose qu'il savait écrire, c'est les chiffres. Il avait juste appris les chiffres. À compter et à écrire des chiffres. Donc, le 7, c'est le pendu. Enfin, c'est une potence, plutôt. Le 1, c'est le bâton. Il y avait des trucs qu'il avait appris comme ça. Le 8, c'était les deux zéros, enfin, les deux ronds l'un au-dessus de l'autre. T'as encore besoin de parler avec le monsieur, bête? Oui, dans quoi ça va, oui. C'est bon? Oui. Parce qu'en fait, il y a un problème, en fait, c'est que les lingots. Oui. C'est bien, j'ai livré, mais ça coûte combien les lingots? Je sais pas, t'as. Ben oui, moi non plus. Donc on va aller vite faire Black Water. Oui. Ce qu'il faut que je vois si ça me sait. Mais d'accord. Hey, on s'est retrouvé comme un con, parce que le problème, c'est que c'est pas Tokela qui est là. Ah, c'est drôle à dire, Tokelakela. Oui. Tokelakela, Tokelakela. Oui, 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 oui. Et le problème, c'est que du coup, Dame Mia, elle sait pas combien c'est, donc. On est pas dans la merde.
Tu vois, ça sert à des trucs comme ça de savoir les savoir compter. Il t'a un peu expliqué, le monsieur? Oui, un petit peu, oui. Allez, tu vas aller, je vais te laisser devant celui de Blackwater aussi. Oui, d'accord. Ça te fera comme ça, ça te fait. Ça t'occupe pendant que moi je gère cette galère là. Oui, mais c'est pas un bateau, c'est une chariote. Oui, mais c'est quand même une. Ça reste une galère cette histoire. Oui. Oui, mais ça veut dire que c'est pas faute, c'est ça? Bah non, c'est pourquoi ça c'est ta faute. Non, je sais pas si c'est. Oui. Oui, je veux, pas, je veux pas vous embêter, quoi. Bah tu m'embêtes pas. C'est pas, vous dites c'est une galère? Bah c'est une galère parce qu'on aurait pu. Enfin, j'aurais pu y penser avant de regarder le prix en boutique, mais je suis con. Non. Ah, vous êtes le shérif. Bah ça empêche pas que tu peux être con, hein. Il y a des shérifs qui sont cons. Hein. Oui, ça, je sais pas. Je peux t'en citer beaucoup, hein. Oula. T'es qui tu gères? Oui. Faudrait que tu refasses des activités que Emmett a déjà fait. Avec un peu de chance, il soit Blackwater. Tu peux lui rappeler les trucs, sinon tu vas voir un chaman quelque part qui te fait boire. Ah, c'est pas, c'est loin d'être con l'histoire du chaman. C'est très très loin d'être bête. Mais oui, l'idée c'était de refaire des activités, genre de la chasse, tout ça. Et je sais pas s'ils vont tinter, parce que ça peut pas venir de moi, parce que je sais pas, enfin, Emmett ne sait pas qu'il a déjà chassé avec Fidel. Donc ouais, l'idée ce serait de que ça vienne de lui. Est-ce que ça va être le cas? Déjà le fait d'aller miner, tout ça. Et bon, miner, il s'en rappelle, puisqu'il se rappelle, en fait, la dernière chose qu'il se rappelle par, en se réveillant de la morsure de loup, c'est qu'il était dans la mine avec Tito, Andrew attends, et tout ça, qui étaient des ça, mineurs qui étaient là vers le mois d'août, septembre. Salut, et salut les fermiers, vous pouvez voir là-bas. Mais non, il n'y a pas l'air d'avoir du bon temps. Regardez là-bas. Il y a Simon et tout, donc ils doivent être là, ouais. Qu'est-ce que je suis fort. Ils sont où ces cons? Pas en train de boire dans la boutique? Oui, dans la boutique. Ah bah non, ils sont là dehors en fait. Sam? J'ai une petite question, Sam. Oui? Ça coûte combien un lingot d'argent? Et bonsoir. Et bonsoir, c'est bon. Oui, bonsoir, c'est bon. Bonsoir, c'est bon, oui. De quoi? Tu vas bien? 35? Oui, ça... 35, oui. 7? Petite question, Emmett, on est en train de raffiner des minerais d'argent. 35, ok. Tu veux de l'argent et des amolites? On verra après, c'est bon, faut juste qu'on gère un truc à Strawberry, puis on arrive. D'accord? Mais c'est parce que Yamojo qui travaille, donc c'est pour ça. Oui, ça marche. On fait juste des retours, on récupère l'argent et on arrive. A tout de suite. Allez, à tout de suite. D'argent, oui. 35, hein. 35. C'est pour Mia, pour Tokela. Sinon, c'est 40. Putain. Ouais, donc je vais faire à 35. Oui, 35, c'est bien. Ok, parfait. Allez, à tout à l'heure. Oui, au revoir. Tout ce qu'il va te vendre, tu vas le prendre, Emmett. Oui. Mais par contre, les prix, bordel de merde. Moi, j'avais pas prévu de gérer deux boutiques. Oui, mais faut attendre que Watson, sinon. Ah mais il est pas là, comment on fait? Oui. On peut pas laisser la boutique en perdition. Non, mais il va bien. Il va pas. Peut-être peu demain, il est là. Ah putain, je. Putain de merde. Oui. J'en ai marre. Demain, il est là, peut-être. C'est vrai, peut-être. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira voir si t'as un télégramme. Peut-être qu'il t'a envoyé un télégramme. Moi je vais te déposer à droite là au mec. Il fait pas chaud, hein. Non, il fait pas chaud, non. Et si t'as fini avec le monsieur, mets-toi dans la gare histoire de te mettre au chaud. Oui. Attends, je te dépose là. Oui, d'accord. Voilà. Hop, t'es bon. Allez, tout de suite. Oui. Oui, je sais pas où il va. Il va où comme ça? Bonjour, monsieur. Oui. Par contre, il fait froid. Vous voulez pas qu'on apprenne à l'intérieur parce que là, c'est vraiment. Ça sert à rien, ça. On va prendre froid et ça sert à rien.
Et voilà. Oula. Ah, c'est bête près du feu. Ça, on a pas raconté si vous voulez, mais bon. Putain, ça. Ouais, ouais, c'est plus chaud ici. Oh punaise, c'est le pauvre Fidel, ce qu'il est en train de se bouffer entre ses prix qui vient tout juste de fixer, de se mettre en tête parce que il vient de récupérer le saloon et là le fait qu'il faut qu'il l'apprenne et retienne les prix de la bijouterie, un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Ouais, alors du coup c'est à dire qu'il va falloir que je rachète tout, mais alors s'il est parti à la boutique connaître le prix des minerais, ils sont pas au bon prix. Je sais pas s'il est parti chercher en fait. Mais bon. J'aime beaucoup cette c'est pas une gare du coup, mais cette boutique de télégramme là. J'ai jamais pris trop le temps de rentrer dedans et de regarder. Elle est sympa. Bon, demain, enfin la fin de la neige. Alléluia. Punaise, ça va faire du bien au FPS. Faudrait pas qu'il me loupe, faudrait pas qu'il croit qu'il m'a perdu. Bon alors, Simon, ça allait, je le connaissais à l'époque. Par contre, Mojo, je le connaissais pas. Donc il va falloir que... Voilà. Simon à l'époque il était même pas, j'allais dire il était pas ici, il était pas à Blackwater, ça vous dit qu'il n'était pas à Blackwater, mais de toute façon il était même pas j'ai envie de dire Tanner, donc je vais dire Tanner même si c'est pas ça. Donc il avait pas la boutique de peau. Du coup je sais même plus ce qu'il faisait, je crois qu'il chassait juste, ou il devait cueillir, je crois. Ouais, il devait cueillir des plantes. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Luc, je crois qu'il était là. Mais... Luc, je crois qu'il était là, déjà, au mois d'août. À la boutique, mais je suis pas sûr de moi. Vince, c'est sûr qu'il était là. Donc là, lui, normalement, je suis censé le reconnaître. Par contre, les autres... Non quoi. Fin août, Emmett, il était dans le désert, il sortait quasiment pas, il allait juste à la mine, bijouterie, mine, bijouterie. D'ailleurs, je me rappelle plus, mais je sais même pas si fin août je faisais déjà des livraisons. Alors si. Je me rappelle d'une livraison qu'on avait faite, mais c'était Watson qui avait fait les livraisons, mais il avait demandé à moi et à Ricardo de venir avec lui. Et on avait été payés. Et d'ailleurs. Alors je sais quel jour ça s'est passé. Enfin, je sais ce qui s'est passé ce jour-là, puisque c'est le jour où les Peepers ont volé le carcano à Valentine. Mais du coup, je sais plus du tout quand c'était ça. Je sais pas si c'était déjà septembre ou pas, quoi. Ça, c'est la galère. Je crois qu'il y a Felides qui a un Twitter qui avait tweeté ça. Poum poum poum. Et c'est quand il avait été pendu que ça avait été tweeté. Le 27 septembre. Ouais, je pense pas qu'il ait... Je pense pas qu'il ait attendu un mois avant de se faire choper. Donc... ouais, en fait, j'avais peut-être jamais fait de livraison. C'est pas grave. Oui. C'est oui. Bon ah. J'ai eu un petit mal de tête, je suis pas encore allé à Strawberry. Oui. Tu veux venir avec moi? Oui, d'abord oui. Allez, viens. Oui, on peut. Attends, oui. Prends mon bras. Allez. Voilà. Hop là. C'est bon, t'as vu le monsieur? Oui, oui. Il t'a dit quoi? Oui. Oui. Il m'a dit, il fallait quand même que j'aille voir d'autres, oui. Oui, mais je me doute.
Je sais pas si on fera tout aujourd'hui, on verra. Mais, non, mais il a l'air confiant, oui. Ah, bon, c'est une bonne chose alors. Il me dit, j'apprends vite. Ah, bah, ça m'étonne pas de toi. Il me dit les chiffres, oui, les chiffres, vous, oui, apparemment vous aimez bien ça. Bon, ouais, ça va, c'est bien alors. C'est un bon début. Oui, là, il a aussi appris à les décrire un peu, oui. Ah, bah c'est bien. Oui, bah, on ira voir... Il m'a dit, il y en a pas beaucoup à retenir et après il se répète tout le temps. Oui, c'est pas fou. On ira voir chez Tumbleweed. Et puis on verra. Oui, ça, oui. Du coup là, on va te rebérer encore. Oui, on va faire payer la dame et puis après on s'en va. Oui, d'accord. On retourne à Blackwater. Oui. Je sais plus pourquoi. Ah si, pour les trucs de Sam, de Simon. Ah oui, Simon, oui. Oui, mais Simon, ça va. Oui, on peut croiser à Badillon. Non, il tient la boutique de trappeur qui se trouve à Blackwater maintenant. Attends, mais t'es un habitant du désert. Oui, mais il a déménagé. Il est trappeur maintenant, Simon. C'est lui qui a la boutique à Blackwater. Ça change pas grand-chose. Non mais c'est juste que oui, il voulait le faire mais il était pas... Ben là il a réussi et c'est bon. Tu m'attends là? Oui. Peut-être le cheval... Mais tu vas te calmer le cheval? Mais tu fais quoi là? Oui. N'importe quoi là. Ce fidèle, le cheval, il fait n'importe quoi. Oui. Calme-toi, bourrico. Oui. Ce fidèle. Oui. Le cheval, il veut pas s'arrêter. Oui. Oui. Il fait n'importe quoi, le cheval. Ah mais tu veux manger, c'est ça? Attends, on va manger alors. Mais bon, c'est quoi? Moi je descends, tu te débrouilles hein. Ça va bien 2 secondes. Moi je tourne à Blackwater. Oui. Je préviens le tourbier. Monsieur le tourbier, je pars à Blackwater. T'avais pas le gérer le cheval? Non, je pense là. Qu'il voulait manger des herbes, oui. Je peux te faire pas s'il faut. Je veux bien, il me faut 50 jusqu'à livraison, c'est 30. Vous avez votre cheval, j'ai oui. C'est bon, j'ai un prêt. Ah, parfait. Ah, attendez, bougez pas, je vous donne 87, comme ça il y a la livraison comprise dedans. Ah, c'est gentil, merci à vous. Et voilà. Super, merci beaucoup. Ah, merci à vous, merci Emmett. Oui, de rien, Dab, oui. D'accord, tu m'appelles madame. Ah. Après, oui, il a du mal en ce moment, il est un petit peu fatigué, il a pas les idées tout en ordre, on va dire. Oui, faut se reposer, Emmett, tu travailles trop. Oui, c'est ça, il faut qu'il dorme un peu. Oui, ça, je sais que lui dit bien, mais... Allez, tu montes, prends mon bras. Allez, oui. Allez. Oh, allez. Putain. Allez, bon retour à vous, faites attention sur la route. Voilà. Oui, merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Oui, au revoir, petit Dab, oui. Bon, bah, une bonne chose de faite. Oui. Du coup, là, on va où déjà? Là, on retourne à Blackwater. Ah, mais d'accord. Que des expéditions ce soir. Et
Oui. Et tu vois, tout le monde te trouve un peu bizarre, Emmett. Mais t'as pas... Mais c'était pas ma faute. Ah bah j'ai pas dit que c'était ta faute, hein. Je relate juste ce qui se passe. Comme quoi, tu vois, ça prouve que je te mens pas depuis le début. Mais c'est... Non, mais je fais pas exprès. Mais je sais que tu fais pas exprès, Emmett, et puis je te voudrai pas pour ça. Ouais, ce qui m'arrange dans l'histoire, c'est que t'as changé de fringue. Et t'es bien, là, maintenant. Oui, ça va, oui. J'ai pas retrouvé la veste. Mais ce WhatsApp, il m'avait... Il m'a prêté une veste. Ah, il t'avait prêté une veste, tu l'as pas retrouvée? Non. Bon, elle doit être cachée dans le coffre, quelque part. D'après tes affaires, j'ai pas fouillé, hein. Oui, je me doute, t'as pris tes affaires et tu t'es cassé. Oui. Oui, mais peut-être qu'à l'occasion, je fouille un petit peu, peut-être que tu vas retrouver ta veste. Puis de toute façon, M. Watson, il t'en voudra pas si tu fouilles dans son coffre. Déjà, j'ai retrouvé le revolver. Oui, d'ailleurs, évite de le sortir comme ça en pleine ville, Emmett. Parce que tout à l'heure, c'était le shérif que t'avais devant toi. Oui, mais je montrais le revolver. Oui, mais bon. Oui. Évite de le sortir. Pas en ville. Et c'était celui de M. Peson, c'est ça? C'est pas ce que t'étais pas ton dos. D'accord, c'est quand tu t'étais fait tirer dessus vers la rivière, là, en allant au désert. Oui. Oui, bah c'est Monsieur Peson, oui. Et derrière, ils t'ont récupéré son revolver, c'est ça? Oui. Et t'as des balles dedans? Oui. T'en as beaucoup? Je sais pas. Ah oui, t'as 20, oui. D'ailleurs, faudrait que je te refile tes armes, toi, parce que t'as des armes que tu m'avais données. T'as une hachette. T'as quoi d'autre? Une hachette. Mais ça sert à rien, parce que c'est ça, tu te pioches, hein, t'as pas. Oui, mais bon, c'est au cas où. Ça peut toujours servir, une hachette, Emmett. Si un jour on va chasser l'alligator, par exemple. Ça, ce serait rigolo, je t'ai jamais vu des alligators. Et bon, on ira ensemble. Oui. Ils sont toujours là, c'est con, oui. Ah, y'a du beau, Tito. Ah putain, y'a Bojo. Trop bien. T'es qui, Bojo? C'est un Wakashan, ça, d'ailleurs, c'est vrai, ça, j'avais oublié cette histoire. Allez, tu peux descendre, Emmett. Oui. Voir un coup. Mais... Là... Faudrait que je reboive un coup, faudrait que je profite. Enfin, c'est habitué à être riche et à me nourrir au ragoût. J'ai perdu l'habitude de boire. Hop, encore un petit coup. Et on est reparti. Alors, Mojo, je connais pas, Vince, je connais, Simon, je connais, on est bon. Et... Vous avez connu un groupe de country à l'époque, c'était les anciens bûcherons spécialisés dans le cyprès, ils étaient tous malades. Toi, tu... T'as fait cyprès malade, t'as, du t'as coup. Changé de vêtements, Emmett, et allô, ta tenue blanche. Oh, c'est de la merde. Bonsoir, Emmett. Mais bon, bon, ça, c'est de la merde. Mais toi, tu... Oui, j'aimais pas. Bonsoir, Emmett. Oui, vous allez bien? Oui, non, j'aimais pas du tout. Ah, moi, j'aimais bien ta tenue blanche. La jolie n'est pas là, donc voilà. Elle était classe. Et pourquoi c'est quoi ça?
Parce que c'est Dame Jody qui donne des sucreries, mais comme elle est pas là. Oh, il y a Dame, oui, elle m'a donné des bonbons tout à l'heure. Ouais, bon. Bah moi je vous laisse, je retourne à Strawberry. Merci pour. Puis bah oui, je te ramènerai bah, Magnolia ici près. C'est bien. Voilà, tu ramènes ce que tu veux, pas de soucis. Comme ça, je ramène des grilles blanches à Simon. Ah, si on a besoin. Un spécialiste des oiseaux. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. On t'a changé de cheval alors si t'as changé de tenue. Oui, non, j'arrive pas à retrouver ma mulade. Oui. Ah mince, tu l'as perdu ? Oui. Ah mince. Non, tu l'avais revendu, non ? Si j'ai pas de conneries. Non, jamais je la revendrai. Tu m'étonnes, un cheval aussi beau que le pur sang arabe albinos, t'en trouves pas à tous les coins de rue. Justement, c'était pas celui-là ? Si, c'était. Non. Si, non. Si, c'est celui-là. Voilà. C'était son cheval. La Mulane, c'est le pur sang arabe albinos ? Ah, pardon. Non, c'était ma Mulane. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait, oui. Oui. Bah, c'est pas le pur sang arabe. Ah, je vais retourner la tête à tout le monde. Ah. C'est bon, on est 50. Oui. On est 50 millions d'argent. Et est-ce que tu as de. Il te reste encore des. Babioles ? Oui, il va me rester une cinquantaine à vue de nez, je dirais. Peut-être un peu plus, 80. Bah, fais des amolites alors. Des amolites ? Ouais, ouais. Toujours besoin d'amolite à émettre. Oui, il faut voir avec ce Watson, oui. Ah, il est revenu, monsieur Watson ? Non, mais oui. Je sais pas, oui. Non, peut-être, faudrait pas tarder, oui, t'as absorbé de la belle hauteur. Ah, j'espère que ça s'est bien passé pour lui, ce petit voyage. Oui. Ça va se passer comment maintenant ? Tu restes le patron, il va très bien travailler avec toi. T'as passé sa boutique. Hein. Bon, c'est un peu la suite aussi quand même. Oui. C'est associé quoi, voilà. Mais enfin, oui. Surtout que tu l'as bien fait prospérer en son absence quand même. Mais oui, non, mais moi je suis doué à la bide, hein, oui. Ça va, Mojo ? Ça va, fidèle. Ouais, ça va. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu un truc avec Emmett. Ouais, il a plus sa tenue blanche. Ouais, il a plus sa tenue blanche et il sert sa Mulane qu'il a dû vendre il y a 3 mois, 2 mois. Oui. Oui. Ah. Oui. Ils t'ont tenu au courant, Mojo ? Ouais, ils m'ont dit oui. Ouais. Mathilde tout fait, Vince. C'est bon. Hop, tac. Il me reste 8 babioles, est-ce que tu veux que je te les refile ou je les garde pour me dire si jamais j'en chope d'autres auprès de je sais pas qui, je les retransforme. Oh, ouais, ok, ça marche. Ça marche. Monsieur Fidèle ? Oui. Oui. Alors quoi de mot, Emmett ? Oui. Bonjour, Emmett ! Oui, bonjour, oui, c'est bon, oui. Oui. Du coup, ouais, bon, ça va je faire, hein, si j'avais tiré, je suis plus émettre. Rappel de Mojo. Je pense pas. Non, si j'ai bien compris, je sais pas qui c'est. Oui. Bah, pourtant, t'es arrivé un petit peu après moi, Joshua. Dans le désert ou dans la région ? Dans le désert, parce que dans la région, t'étais là avant moi. Oui, je crois, oui. Sinon, ça serait un problème. oui, mais je suis arrivé dans le désert, j'ai dû arriver mi-septembre, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Et de ce qu'on m'a dit, ouais, je pense que Emmett, il est pas là, ou il. Enfin, tu vois. Oui, c'était dans la période. Ah, je suis là. Ouais. Oui, t'es là, mais. Oui. Sans offense, sans aucune. Hein, de ce que j'ai compris, t'as pris un coup sur la tête et t'as oublié pas mal de trucs. Et je crois que si mes souvenirs sont bons. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Si ce que m'a dit Mev est exact, tes souvenirs ils remontent à avant que j'arrive dans le désert. Donc c'est normal que tu te souviennes plus de moi en fait. Est-ce que tu te rappelles ce que je fais, Matt ? Oui, ramasse des plantes. En fait, maintenant j'ai fini de ramasser les plantes et je suis trappeur de Blackwater. Alors, pas exactement, mais.
Oui, mais bon, ça c'est pas grave. on va la faire court parce que sinon. Pas compliqué la tâche, t'as raison. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je travaille ici maintenant. Et je vis plus trop dans le désert parce que malheureusement bah, j'ai dû un peu m'exiler pour travailler à la boutique. Pourquoi fallait reprendre la boutique de la trappeuse, oui. Ah ouais, mais non, je pouvais pas ça. Mais tu sais que la trappeuse, elle est partie. Y a quelqu'un d'autre qui gère la boutique. Ah bon? Oui, il s'appelle Raymond. Peut-être que tu l'avais rencontré une ou deux fois. Non. Il est venu cueillir dans le désert à un moment. Mais je pense que c'était en octobre, donc... pareil, oui. Quelque chose comme ça, ouais, je pense. Oui, mais tu sais qu'au final, il y a plein de gens que tu vas pas retrouver, hein. Kourou, Kizaya, Dame Laponie... Oui, non, mais faut arrêter avec ça, c'est... Oui, non, ça va. C'est beau, oui, les gens sont partis, je sais, je me rappelle pas. Qu'est-ce que je fous là? Merde. C'est pas une boutique, ça, c'est pas rentré dedans. Bientôt, messieurs. Ils sont au départ qu'on me dise que ça va. Mais il y a ça qui s'est passé, tu connais pas ça. Bah, ils sont partis, bah, oui. Je sais bien que les gens ils sont partis. Hein. T'as pas toujours fait mal en plus. Ils sont des barres. Non, parce que non, mais bon. Emmett, viens avec nous, t'inquiète pas. Nous, on est restés, en tout cas, on est là pour toi, en tout cas, n'oublie pas. C'est le plus important. Et tu sais que t'es bijoutier maintenant? Non, je travaille à la bide. Avec Tito, et Andrew, et Pete. Ouais. C'est compliqué. Oui. Je suis vraiment désolé, Matt. Ah. Mais oui, oui. Et... Ah, joli, c'est la peau de monsieur. Oui. Du coup... C'est que t'es allé miner un peu aujourd'hui? Non, j'ai mal à la jambe. D'accord. Oui. Est-ce qu'ils s'occupent de toi ces meufs qui te regardent ta jambe tous les jours? Non, hier t'étais un médecin à Valentine. Ah oui. D'accord. Et là pour le moment, je sais pas. D'accord. Et là pour le moment, j'ai pas vu de médecin. Y'a pas Joté ou oui. Joté ou t'étais. Oui, Dame Jo, oui. C'est un peu compliqué en ce moment. Je vais pas te mentir, avec ce temps là, il y a beaucoup de gens, ça fait plusieurs semaines qu'on les a pas vus. Là. Oui, il fait froid. Dame Joséphine par exemple, ça va faire un mois et demi que je l'ai pas vue. Malheureusement. Et toi, je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui. Oui, il y a pas longtemps pour moi, pour toi, mais pour moi, c'était il y a longtemps. Allez, viens avec nous, Emmett. Oui. Je pense... Viens avec nous, reste pas tout seul. Oui. Faudra que je vois quelqu'un pour ma jambe, quand même. Oui, mais on peut demander à Mev de te scruter un petit peu. Oui, mais je pense qu'il faut pas trop. Mais pourquoi? Mais tu sais qui c'est, Mev, quand même. Oui, je crois que c'était la personne que j'ai vue hier, oui. Tu sais, c'est la dame qui vit avec Sam. Oui, mais je sais pas, je la reconnais pas. Oui, mais ça c'est pas grave, mais elle te connaît bien. Oui, mais apparemment, elle est fâchée, ou je sais pas quoi. Non, mais ça, elle est toujours fâchée, elle est toujours grognon. Emmett, écoute-moi. Oui. Hein? Les gens sur qui tu peux compter, c'est Fidèle, Sam, moi, par exemple. Non, Vince. Sam, apparemment, il a volé la boutique. De Fidèle, il a dit.
Sam, il a pas volé. De quoi? Quelle boutique? La bijouterie de Stewart, oui. Non. Si, apparemment, Stewart, il a dit il a volé l'or. Il y en a de... Il y avait de l'or tout à l'heure dans la boutique. Oui, d'accord. Bon. Bon, soit. Ça, je suis pas au courant, mais ça, c'est vos histoires. Mais en tout cas, tu... Si t'as un souci, tu peux venir me voir, tu peux venir voir Vince. Si toi aussi à t'appuyer sur Fidel. Oui. Voilà. Ouais, moi, j'aimerais bien voir un petit Watson. Ouais, mais je crois qu'il... Il prend quelques vacances, c'est ça, il se repose souvent. Et c'est toi normalement qui gère tout en fait, c'est toi maintenant l'homme de la situation. T'es même devenu son associé. Oui. Oui, je lui ramène des bidrets, puis peut-être de l'argent. Et... Oui, oui, mais même plus. Maintenant, ce qui se passait, c'est que on te ramenait des minerais et tu lui donnais de l'argent. Oui. Mais moi, ouais. J'ai pas d'argent. Tu veux qu'on regarde à la banque? On demande à la banque si t'as un compte ici? Oui. Non, mais après, au final, il m'a fait mettre l'argent qui est pour The Water dans la banque. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Non, par contre, là, oui. Là, moi, j'ai tout ça sur moi, oui. Ça, oui. Oula, non, me donne pas de sous. Ça, c'est 50 cents. Je les garde bien précieusement. Oui. Et tu peux les mettre à la banque si t'as peur de les perdre, tes sous. Oui, il faut que je les mette à la banque d'Armadillo. Non, on peut plus poser à la banque d'Armadillo. Le banquier il veut plus prendre notre argent à Armadio. Appelle-moi Joshua ou Mojo. Mojo, appelle-moi Mojo. C'est comme ça que tu m'appelais. Oui mais c'est compliqué. Oui je sais mais bon, pas monsieur quand même. Enfin bref. Est-ce que tu te souviens combien Watson il reprend les amolites non taillées pour boutique ou pas? Non. Oh, non, je sais pas compter. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. Ouais. Et je crois que c'est entre 3 et 4 cents, si je me rappelle. Bah, c'est revendu 3 cents en taillé, donc je dirais plutôt moins que ça. Hein. Ouais, je sais plus. Ah, je crois que ça a remonté, mais c'est pas grave. Au pire, c'est ce que je disais à Fidel. Au pire, on peut garder les minerais, dans tous les cas. C'est pas grave. Le temps que Emmett ça tout se remette en place ou que Watson voir avec Fidel là-dessus. Va voir avec Fidel, Simon. Non mais t'inquiète pas, Fidel, j'ai déjà vu, on va faire comme ça. Okay. Ça presse pas. L'avantage des minerais c'est qu'ils sont fondus, on est tranquille, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu vois, moi je vais les laisser dans mon coffre et puis c'est bon. Et Emmett, qu'est-ce que t'en penses ce soir d'aller faire le tour des érudits? Mais non, mais monsieur Fidel, il a déjà commencé à me... Ouais. Mais... Ouais, c'est bon alors. C'est bien, ça va te faire du bien déjà. Mais... Voilà, oui. Et alors, t'as l'impression que ça te ravive un peu des souvenirs ou... Pas du tout. Il a commencé à m'apprendre à écrire les chiffres, oui. D'accord. Bah voilà, c'est bien. C'est une bonne chose. Part, ouais. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon, je compte combien j'ai dans mes poches, Mojo, et puis on regarde comment ça fait, ce que ça fait, et on fait en. J'ai pas de problème dessus. Parlez-moi correctement, s'il vous plaît, merci. Le monsieur en blanc là, comment il s'appelle? Tu le reconnais? Oui, c'est vite. Ah, voilà, c'est déjà ça. Oui. Ouais, tu vois, vite, s'il se rappelle de toi. Oui, bah quand même. Oui, mais bon. Oui, on sait jamais. Il est à côté des tentes, oui. C'est ça, exactement. Je suis de la poitrine. José et Joe, oui. 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 Ah, oui, en effet, oui. Oui. Et Dame Carmen, ça dit quelque chose?
Non. Oh, t'as dit rien. Mais... Oui, ça viendra. Oui, Bon, il y a de fortes chances que tu la croises en plus. Oh, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu quand même. Ah bah elle était là ce soir. Elle était là tout à l'heure. Ouais. Et tout là. Essayer d'avoir une discussion avec elle, un peu compliqué. Ouais, je me doute, ouais. Et José, il a pas été vu Pas ce soir, non. Merci Pierre pour le follow. Merci beaucoup. Oh, je l'ai vu dans, on l'a vu dans bonsoir, la semaine. Bonsoir, bonsoir hein. À toi. Il est là à partir de 23h, mais là ce soir, non, on l'a pas encore vu. J'espère que tu vas bien. Bon, que, vu l'heure qu'il est, c'est peut-être son horaire. Et qu'on va pas tarder à te revoir avec la fonte de la neige. Dans l'Aquateur, ça c'est sûr, mais dans le désert, oui. Ouais, ben bah, on ira. De toute façon, on va faire un petit tour, on va aller à Tumbleweed, voir l'érudit, hein, Emmett. Oui. Oui, on va faire des émolites. Par contre, il y en a un que j'ai pas vu depuis longtemps, c'est Walter. Oh putain, oui, ça fait un baume, ouais. Oui, je pensais qu'il allait s'absenter, mais il n'y a pas aussi longtemps, quand même. Pas la défaite de ce qu'on m'a dit, mais... Ouais, bah, il est sûrement parti, puis il reviendra peut-être, on verra. Mm-hmm. Bon, en même temps, vu le temps, à mon avis, ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dû partir à cause du mauvais temps, et l'escroc préféré. Ah. Ah. Vous avez pas trouvé le médecin? Oula. Ah non. Qui... Ah, bah c'est Maxwell. Non. Bah, vous avez tout fait là on va au désert. Bah oui, hein. C'est la Hermène, de toute façon. Mais il en reste plus qu'une, ouais. Bah c'est reparti. Faites attention en tout cas. Ça marche. Non, en tout cas, que ce soit dans la peau de Pia. Que Pia se soit dans la peau de Pia, voilà par exemple, y a pas de soucis, ou dans la peau d'une autre. Hein. Je sais pas, mais ce sera un plaisir de te revoir dans la compagnie. Pia, ils ont pas 50 000 options. Ah là, non, c'est sûr. On prend Maeve et on lui fait faire un tour de la région pour qu'elle finisse sa formation. Ah ouais, putain. Bah oui, c'est à peu près la seule option, effectivement. C'est le dernier recours. Ouais, Ah, il y en a un autre, c'est le laisser dans son office, et puis vu qu'il est stabilisé, il passe la nuit, et puis on verra demain. Oui, d'accord, ok. Bon, bah si c'est sûr que ce sera dans la peau de quelqu'un d'autre, alors ce sera avec plaisir. Ouais. Après, si moi j'en ai dans le saloon, hein, donc. Oui, mais c'est pour ça, je te dis. Je t'en prendrai, je pense que je vais en acheter et en. T'as fini? Ouais. Bah, ouais. C'est toujours utile d'en avoir, ouais. Ça va trop vite. Bah, 10 par 10, hein, tu sais, ça va vite. Hein, c'est... Oui. Pas quelqu'un qui a une barre. Ah, ouais, voilà, je suis nickel. Et d'ailleurs, Emmett, regarde. Mais quoi, ça? Tiens, regarde ça. Oui. T'as vu ce que c'est? C'était des bagues? Oui, et c'est des petits cadeaux qu'on a, je vois. C'est un peu comme les babioles, mais en. Je sais pas si c'est mieux, mais c'est un peu comme les babioles, quoi. C'est pas mieux, non. Putain, c'est pas mieux. Des babioles, quoi. Ah, mais c'est des babioles particulières, oui. Tu fais pas de la ferraille avec. Ouais, celle-là, tu peux les fondre et t'as vu, il y a des petites pierres précieuses, ou alors des fois elles sont en argent ou en or, et tu peux les faire fondre et récupérer directement le minerai. Oui. Et ça, faudrait que je te pose un petit WhatsApp, oui. Et je te montrerai les outils pour les travailler tout à l'heure. Oui. Mais d'accord. T'as de la place sur toi, Emmett? Oui, ça va. Je vais te filer ça. Alors. C'est quoi? Tiens. Oui. Et. Bon, là, ça y est, on passe sur les petits paquets, malheureusement. T'as fait beaucoup d'argent, t'as. Eh oui, tu les travailleras tout à l'heure et tu les mettras dans le coffre. Oui. Oui, ça va, je vais faire. Et oui, c'est pour ça que je te les donne. Et pareil pour la petite pierre précieuse, la molite, je sais pas quoi. Oui. Tu sais faire aussi. Oui, bah, toi, il m'a dit qu'il fallait pas te servir à rien. C'est vrai. Non, ça sert maintenant. Et maintenant, c'est utile. Oui, les temps ont changé, ouais. Il y a eu du lobbying de bijouterie. Et d'ailleurs, Simon, t'en as toujours, toi, des minerais d'argent? Je te les prendrai.
Non, non, mais t'inquiète, ça peut attendre. J'ai pris ceux de Vince, hein, c'est pour ça que je te dis ça. Oui, non, mais t'embête pas, je te dis, ça prend aucune place dans mon socle, donc... Ok. Je te dis, on attendra... À l'époque, t'étais le spécialiste pour transformer ça en ferraille. Oh, tu l'es toujours, oui, de toute façon. Oui, t'es pas piole, t'as... Oui. Tu me diras combien il y en a, je te les paierai. Oh non, c'est juste ça me vide les poches, il y en a trois. Ah, ok, bon, ça va. Je m'attendais à plus. Non, c'est oui. Juste que j'en avais dans les poches, donc... Oui, ça fera... Oui, ça fera plat de ferraille, oui. Ouais. Et s'il faut, Mojo, il peut t'aider là-dessus, Emmett. Ouais, bah moi je peux t'aider sur... Bah, le truc de Noël, on s'en fout, mais je peux t'aider sur la ferraille, effectivement, oui. Ah mais d'accord, oui, ça c'est bien Tadou, oui, oui, Tadou, vos collègues bidders, oui. Ou entre autres, oui. Enfin, il travaille les bijoux, on va dire, plutôt, les babioles. Ça, il sait faire, il sait pas miner, par contre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste travailler les bijoux. Ouais, il les trouvait aussi. Est-ce que quelqu'un aurait un cigare sur lui? Oula, non. Non, mais. C'est un déclar à. Toi, moi que j'ai pas de nouvelles de mon fournisseur. Tu veux des cigares, Ebet? Oh, non. Oh, ça va. T'es sûr? Oui. Ok. Pourtant, t'es blessé. Faut peut-être s'arranger, hein. C'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, ici. Ah, ouais, non, mais c'est pour ça que j'y serais allé lui en acheter. Mais s'il en veut pas. Ah, mais t'es... Ouais, sinon, t'as pas de Vince, t'as pas un truc qui commence par un C et qui finit par un E? C'est trop, j'ai pas... Non. Cigarette? Ou l'autre? L'autre. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Ah bah, je sais pas, moi je me dis que... Toute option est bonne à prendre, hein. Vous avez raison. C'est vrai que, dit comme ça... Est-ce qu'il y en a en boutique chez York? Non, mais par contre, il y en a en boutique dans une... Dans une officine normalement. Mais non, mais ils vendent des chewing-gum, York. Par contre. Ah oui, tu veux qu'on essaye des chewing-gums ? Bah, peut-être. Ouais. Moi, je vais essayer pur. Ouais. Non, mais. Oui. J'ai pu. Tu veux pas de cigare, t'es sûr ? Non. Pourquoi ? Parce que t'as pas d'argent ? Oui. Oui. C'est pas grave. Non, mais j'y arrive. Hop, il en reste 8, bah fais un minerai. Ah ouais, peut-être falloir y aller quand même. Oui. Fais un minerai d'argent brut, ouais. Avec les 8, quoi. Comme ça, on est tranquille. Pas grave, j'en ai en trop. J'en ai déjà 4-5 en trop d'argent brut, donc. D'accord. Okay, on se démerdera. Il a l'air pressé, oui. Qui ça, Vince? Oui. Oui, je sais même pas où il est. Ah bah il est... Oui. Attends, je reviens, Mojo. Mais non, je bouge pas, donc. C'est un désordre, moi, tu vois, c'est... Oui. Mais... Ah, faut qu'on voit aussi pourquoi... De quoi? Non, mais tu sais pas, faut qu'on voit ce fidèle, là. Il est là, ce fidèle, là, à côté de toi? Oui. Tiens. De quoi, on voit quoi? Non, mais faut qu'on voit Stab pour qu'il rende l'or, oui. Tiens, c'est pour toi. Oui, on verra ça. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Non, mais t'es après. Après, il va t'engueuler, oui. Oui, t'inquiète pas, on va gérer ça après. Pas qu'il m'engueule. Oui. Mais t'as jamais engueulé, Watson. Non, mais là, j'ai fait de bêtises. Oui, mais c'est pas des bêtises irrécupérables. Oui, non. Mais je sais pas. Non, bah, j'ai rempli ma sacoche de lingots d'or et je l'ai donné à Sam. Oui. Il les a payé au moins? Bah non, il a dit que il avait payé à Watson. Ah oui. C'est vrai ça? C'est pour ça qu'on va les récupérer tout à l'heure. Voilà. Petite discussion avec Sam, je pense. Exactement. Que c'est honnête. Oui, vous inquiétez pas, on va gérer ça tout à l'heure. Tu feras pas engueuler, maître, promis. Mais non, j'espère pas quand même. Ouais, non. Oh. J'ai peur qu'il me tire dessus celui-là, là. Ça y passe. Ils sont pas mauvais.
Ah, ça te fait plaisir? Oui, oui, oui. Ah, nickel. Ah, parfait. Et ça, c'est le top. Papa, il m'en offre toujours un à Noël, oui. Ah bah voilà, bah regarde. C'est encore un peu c'est Noël. C'est un peu la période, oui. Ah bah, je ce soir, 6h ouais. du matin, c'est Noël. Ouais, c'est Noël dans un autre endroit du monde. Notre région du monde, c'est peut-être Noël. C'est vrai en plus. Toi, tu cherches s'il n'y a pas des. des oiseaux à tuer, toi. Ouais. De fidèle. Mm-hmm. Faut que j'aille voir un médecin pour ma jambe, oui. On ira voir Mev tout à l'heure. Elle fera ta jambe et moi, elle fera mon bras. Ouais, elle est occupée à essayer de soigner Maxwell, là. Ouais, ils essaient de gérer Maxwell et après on verra. Ouais, bah ouais. Bébé, oui. Ça ira? Oui. Ah, parce qu'elle est quand même en colère. Oui, ça ira. T'as toujours ta charriette, Emmett, ou pas? Ouais, s'il la siffle, là, elle arrive d'ailleurs. Oula, attention alors. Elle le fait pas du coup. C'est sifflé? Oui. Oui, mais Babulette, elle répond pas. Oui, mais c'est normal. Attends. T'as un chariot. Non. J'en ai marre. J'ai envie de dire un truc difficile, mais tellement réaliste. Est-ce que tu vois la peau que j'ai sur l'épaule, Simon? Oui, oui, oui. Ah, tu viens de les dépecer, c'est ça? Là, putain, j'ai pas vu l'animal en question. Oui, c'est normal. D'accord. Oui. Il les a déposés tout à l'heure et puis il est reparti à sa boutique. Ah et oui. Okay. Voilà. Je crois qu'il y avait des concitoyens qui les ont pris, ils ont dû leur donner du coup, hein, gentiment. Hein. Oula. Il leur a réclamé, je sais pas. Ah, ils sont sympas. Hein. Du coup, on est reparti, monsieur fidèle. Tu veux pas qu'on attende BV et tout? C'est pas comment t'es fatigué. Ah, ok, bon, on va y aller alors. Oui. Bah, je vais prendre un petit détour par l'érudit de Strawberry. Oui, on va. Strawberry, c'est fait, oui. Donc, c'est fait. Tabloïd pour l'instant. Puis on fera l'est après. Oui, je suis en train de. Bah, peut-être à tout à l'heure, Mojo alors. Ah, monsieur l'agent. Ouais, bah, je crois que je suis pas venu avec vous en fait, je sais pas. Attention à toi. Ouais. Oui, que t'as. Oui. Hop. T'as parce que faut pas. Oui. Disons, faudra qu'elle regarde de bas, oui. De le médecin, il m'a dit tous les jours. Oui, t'inquiète, elle regardera aujourd'hui. Il est pas tout seul. Faut repasser dans le désert, messieurs. Ouais, on y retourne du coup, il est un peu fatigué, je vais aller le foutre au lit. Ouais, bah, ok, ça marche. Repose-toi bien, Emmett. À bientôt, à demain, chambre. Allez, à demain, Mojo. Au revoir, messieurs. Je sais pas, si les messieurs ils sont tous les deux tout seuls, pour rester un peu avec. Ouais, ça marche. Bon, on se voit peut-être tout à l'heure et sinon demain. Ça allez, bonne soirée, messieurs. Au revoir, messieurs, oui. Mais tu es désolé, mais je commence à être fatigué. Ah non, mais t'inquiète pas. Hein. Moi, tu me dis, je te ramène. Hein. Est-ce que tu veux qu'on passe à Tumbleweed avant ou pas? Non. Que ça, sinon, ça va te fatiguer trop, peut-être. Oui. Mais parce que ma jambe, elle fait mal quand même. Oui, alors on va voir Mev. Et après, je te fous au lit. Du coup, je te dépose où? Tu veux dormir où? Au saloon? Oui. Tu prendras la chambre tout à droite. Oui, d'accord. Par contre... Et avant, par contre, il faut que tu poses la charrette. Bon. Bah oui, tu l'as sortie, il faut que tu la rentres. Oui. Par contre, j'ai pas d'argent pour la chambre, de final. T'inquiète, je te l'offre. Attends, appelle ta charrette ici. Oui. Peut-être que tu descends, non? Elle est là-bas, je crois. Ah oui. Appelle-la encore.
complètement con cette charrette. T'as vas-y, monte, on va y aller. Complètement con cette charrette. Oui, on est là. Calme-toi. Ah ben, elle a pas envie. Hein. On va s'arrêter là. Allez, arrête-toi. Voilà. Allez. Voilà, comme ça, on la range et puis on est tranquille. Oui. Et après, tu vois Todd, il va pas être content. Mais voilà. Les crocodiles, oui, du coup, on attendrait qu'on y arrive. Oui, ben on attendra que ta jambe soit entièrement guérie, puis on ira. Oui, d'accord. J'aimerais bien revoir. On ira les voir. Après, j'espère que ça fait pas trop peur, hein, parce que. Oh, t'inquiète pas. Puis je t'apprendrai à tirer une hachette. Comme ça, tu pourras les viser. Oui. C'est lui. Voilà. Un cheval. Quoi? C'était un cheval par terre. Ah oui. J'ai des choses qui arrivent. C'est plus au fait. Oui. Je sais pas qu'on bat du ballon, t'as dit. Bon. Ah bah je sais, hein, mais je sais pas qui c'est qui a fait ça. Il faut manger ça, d'accord, mais après, non, faut pas être méchant avec les bêtes. Oui, les cailloux que je t'ai mis dans les poches, tu les trahiras demain. Oui. Ok. Oui, d'accord. Ça, là, tu fais pas ce soir, et que ça, tu te reposes. Et je te filerai là de l'argent aussi qu'il faudra mettre dans le coffre de Monsieur Watson. Oui. Mais non, il faudra que je garde mon arme dans ma main et que tu mettes dedans. Oui, tu te mets ton argent dans ta poche droite et l'autre dans la poche gauche. Oui, t'as mis d'accord. Oui, t'avais rangé l'âne tout à l'heure. Oui. Parfait. Et l'argent que je vais te donner, tu en mettras un petit peu plus dans ta poche aussi, d'accord? Oui. Eh bien. C'est pas combien c'est. T'inquiète, on fera les choses bien. Dimanche. Demain, pour le tabac. D'accord. Ben, comme ça, quand on ira à Tumbleweed, alors. Ou alors, si au pire, ce que tu fais, c'est que dès que tu te lèves, tu vas à Tumbleweed, tu vas prendre ton bain et tu parles avec le mec du télégramme. Par contre, mon compte, c'est derrière.
putain. J'ai vraiment pas l'habitude. Ah, ton camp, t'as dit? Non, non, t'as dit le camp. Ah, ok, j'ai compris ton mon camp. Ouais. Ah, j'ai mal entendu alors. Oui. J'ai pas l'habitude d'aller moi là, d'aller là moi. Alors, je vais descendre et je vais te laisser l'entrée. Allez. Oui. La bête de Thor. Oh oh, oh les problèmes. Oh les problèmes. T'y arrives pas? Non. Pourquoi? Ah, ben descends et rappelle peut-être. Oui. Mais non. Parce que ce problème là, quand je l'ai en général, il faut que je découvre Eco. Ça ne marche pas sinon. C'est le chargement du camp qui n'est pas effectué correctement et du coup ça marche pas. Je suis occupé. C'est intéressant ça. Ah, c'est bien la chariote. Bien celle-là. En fait, il faudrait que je parte et que je revienne, mais même si je décharge le camp et que je reviens, je crois que ça déconne. Je crois que là, de toute façon, il est pas déchargé, donc... ouais. À mon avis, ça va pas passer. Peut-être si je mets de l'argent dans le coffre, peut-être. Voir. Ah, et puis là, je peux plus. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu fasses une petite sieste? Oui, oui. Dis donc, je peux mettre l'argent dans lui. Regarde si t'as accès au coffre. Non. Tu veux l'ouvrir? Non. Voilà, fais une petite sieste. Et... je t'attends là. Aïe aïe aïe, le petit bug. On est reparti. Access granted. Alors, en général, quand j'ai ce bug-là, à part des coups recours, même en déchargeant le camp et en le rechargeant, ça passe pas, quoi. Quand ça charge pas bien, ça charge pas bien. Ah mais du coup il va falloir que je rappelle la chariote et tout. Oh. Et donc Pia, ouais, pas de soucis pour la surprise, ça sera avec grand plaisir. Désolé, hein, c'est un petit peu découpé la discussion. Mais oui, non, ce sera avec grand plaisir. Ce sera une belle surprise. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que déjà, ça marche? Ouais, ça c'est bon. Ensuite, ça faut toujours attendre un petit peu. Ça marche, est-ce qu'il y a une babiole dedans? Mais alors, va-t'en loin et puis reviens. Oui, non, mais
Oui, ça va. Oui, c'est bon? Oui, bah oui. Rappelle la charrette. Oui. Oh putain. Ok, oui. Voilà. Alors. Hop là. Doucement, j'ai dit. Hop. Et voilà. Nickel. Oui. Parfait. Alors, je vais te donner l'argent que tu vas mettre dans ta poche droite avec ton autre. Oui. Voilà, ça va dans ta poche droite avec ce que t'as déjà. Oui, d'accord. Ça. Et je te donne le reste. Oui. Ça, c'est à mettre dans le coffre. D'accord. Le seul problème, c'est que tout à l'heure, j'ai mis de l'argent et je sais plus combien j'avais mis. J'avais mis, je crois, 2$. 2,08$, je crois. Et là, donc, c'est 5,50$. Ça, c'est l'argent de la boutique, faut pas le mélanger avec l'argent qu'ils mettent, en fait. T'es bon ? Oui, oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Allez, ok. Merde. Parfait. Que c'est un petit peu d'argent, c'est ton argent, puis voilà. Oui. Mais comme ça, tu pourras acheter à brosser. Exactement. Là, c'est plus rien. Parce que là, tu dois avoir un petit peu d'argent quand même. Tu dois avoir $1.12, quelque chose comme ça. Oui, 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 c'est pas. Je peux acheter à brosser ? Oui, si tu veux. Ah, mais tu veux dire, j'ai assez. Ah oui, largement, ah oui, tu peux acheter ce que tu veux. Par contre, faut que vous ayez à l'intérieur, il fait froid. De quoi ? Attends, on va voir au Telegram si t'as reçu quelque chose. Oui. Avec un peu de chance, t'as peut-être reçu un télégramme de M. Watson. Ah mais d'accord. J'ai regardé si moi j'ai reçu, mais je pense pas. Après moi je t'ai pas dit, tu es fidèle. Oui non mais je te le lirai si t'as reçu quelque chose. Oui d'accord. Oui, dors. Oui, dors, pas dors, j'ai. Dors, faut pas t'accrocher. T'as rien donné? Dors. Ok, bon, tant pis. Tantôt, moi j'étais. Les gens ils savent que je t'ai pas lire, alors ils m'en envoient pas. Non, mais monsieur Watson il aurait pu t'en envoyer. On sait jamais. Oui. Tu veux quoi à manger, bête? Ouais, moi j'aime bien la viande au. Stranger? Oh, merde, à l'origan, oui. À l'origan, bah je vais te dire ça si j'en ai. Oui. Alors. Putain, j'aime bien. Ah non, j'ai pas à l'origan, Emmett. Y'a à quoi? Au thym, ça va? Au thym et oui. À la menthe. Non, ta menthe, c'est pas bon. Y'a du poisson au thym. Y'en a 4. T'en veux combien?
Bah, t'es pas. Bah, c'est toi qui me dis. Tu peux acheter les 4 si tu veux. Ah bon? Oui. Mais t'as pas les 4 alors? T'as acheté les 4 comme ça t'auras pas besoin de payer. Et ton frère? Oui. Ils sont. Oui, demain ce sera bon. Oui. Et s'ils sont pas bons, tu viens me dire. Oui, d'accord. Tiens. Ah oh, putain, j'ai la patate dans mon sac. Alors ça fait 8 et 8, 16. Et. Putain, et c'est 32, ça fait 32 cette ce matin. Donne-moi la moitié de ce que t'as. Merde. Et puis je te rends. Merde. Attends, j'essaie de ranger oui, le poisson. Ah oui, oui. Voilà. Alors, oui. File-moi la moitié de ce que t'as et puis je te rendrai. Oh. Mais d'accord. Mais je sais pas. Voilà. Très bien, ça fait 32, donc ça te fait 48. Et voilà. Merci à toi. Oui, d'accord. Merci. Avec plaisir. Tu peux prendre la chambre en haut à droite, là, celle-là. C'est, oui, celle qui est au-dessus, là. Voilà, c'est ça. Oui. D'accord. Elle est prête. J'ai nettoyé tout à l'heure. Bon, bah d'accord, bah j'y vais alors. Ça marche, allez, bonne nuit. Merci, monsieur fidèle, oui. Bah, avec plaisir. Oui, à demain. À demain, répète. Oui. Oui. Oui, peut-être. Oui, il faudra quand même qu'on regarde ma jambe parce que. Non, mais ça fait mal. Oui. Oui. Hop là. Et du coup, c'est là-dedans. Oui. Comment ça? Ah oui, d'accord. Eh ben t'es parti, on va faire dodo. Bonne nuit, monsieur. Oui. Pouf. Eh bien voilà, une nouvelle journée dans la vie d'Emmett. J'espère que le petit feuilleton habituel vous aura plu. Toujours autant. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Là, toujours présent. Merci beaucoup. Demain, enfin, la fin de l'hiver. Peut-être, je pense pas qu'il y ait un patch en plus en prime, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, je pense que les devs avaient autre chose à faire. Mais j'espère en tout cas ça fera revenir du monde. On verra bien si demain, dimanche, il y aura un petit peu plus de gens sur le serveur. En tout cas, pour ma part, je vous remercie encore d'être là tous les soirs, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne nuit, suivant ce que vous voulez faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui stream ce soir. Ah bah non. Il n'y a pas de... Peut-être le site est cassé parce que je me vois même pas sur le site de stream. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Ça marche pas. Bon bah du coup, je sais pas vers qui je peux raid. Voilà, ce sera, il n'y aura pas de raid, tant pis. Eh bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit, à demain, peut-être. Je sais pas encore, on verra. Suivant le sens du vent. Et puis... comme on dit dans le Périgord, bisous caresses.